안녕하십니까. 주 프랑스 대사 유대종입니다. 작년에 이어 한국 콘텐츠 진흥원 유럽 비즈니스 센터가 개최하는 유럽 콘텐츠 산업 전망 세미나에 참석하게 되어 기쁩니다. 과거와 달리 요즘 유럽에서는 한국 하면 떠올리는 콘텐츠, 인물, 음식이 매우 다양해졌습니다. 우리 콘텐츠에 대한 유럽의 시각 자체도 바뀌고 있습니다. 단순히 특이하고 색다르다는 차원을 넘어서서 재미있고 계속해서 보고 싶다고 느끼는 이들이 점점 늘어가고 있습니다. 이러한 흐름을 이어가고 더욱 견고하게 만드는 것이 우리가 해야 할 일입니다. 한국은 많은 이야기거리를 가지고 있는 나라입니다. 이를 표현하려는 욕구도 아주 큽니다. 기생충, 오징어 게임, BTS 등은 이미 유럽에 널리 소개되어 있지만 아직 소개되지 않은 경쟁력 있는 콘텐츠도 많습니다. 오늘 세미나에서 다뤄질 웹툰도 잠재력이 아주 큰 분야 중 하나입니다. 한국의 웹툰 시장은 이미 종이 만화 시장을 넘어섰으며 10대 학생부터 40대 직장인까지 대부분의 이들이 웹툰 보기를 취미로 가지고 있습니다. 각기 다른 독자층을 겨냥한 다양한 주제와 그림의 웹툰이 매일 쏟아져 나옵니다. 디지털 독서에 대한 인식이 조금은 다른 유럽에 우리의 웹툰을 성공적으로 소개할 수 있는 방법을 이번 세미나를 통해 고민해 볼 수 있기를 기대합니다. 유럽은 새로운 콘텐츠에 목말라 있습니다. 우리 한국 콘텐츠들은 더 많은 독자와 시장을 향해 나아갈 준비가 되어 있습니다. 이번 세미나를 통해 두 나라 간 콘텐츠 발굴이나 산업협력 기회가 더욱 확대될 수 있기를 기대해 봅니다. 다시 한번 유럽 콘텐츠 산업 전망 세미나의 개최를 축하드립니다. 감사합니다. Bonjour à tous. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole. Je suis particulièrement heureux de pouvoir m'exprimer sur l'amitié franco-coréenne dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, dont le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, à la charge. Je voudrais juste en quelques mots vous dire trois choses. D'abord, vous parlez de qui nous sommes, de nos missions au CNC. Ensuite, vous parlez des défis et des opportunités que nos secteurs doivent relever. Et enfin, vous parlez de notre volonté de renforcer nos partenariats avec la Corée, avec un pays comme le vôtre. Alors d'abord, qui sommes-nous, le CNC ? Le CNC, c'est une institution assez particulière, plutôt ancienne, qui a 75 ans cette année, et assez unique au monde, c'est vrai. Elle est née en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour apporter un soutien industriel au cinéma français, aux salles et aussi à la production de films. À partir de 1959, elle s'est mise aussi à soutenir la dimension artistique des œuvres. Notre philosophie est simple. Tout ce qui diffuse des films, des séries, des fictions, des documentaires, de l'animation, doit pouvoir contribuer à la création d'œuvres françaises. Donc ce sont les salles de cinéma, les chaînes de télévision, les fournisseurs d'accès Internet, les éditeurs vidéo, tout cela contribue à la création. Notre credo, c'est faire émerger, vivre et offrir au public le plus large une création diverse, variée, originale, tout en ayant une industrie forte avec des filières d'excellence, des talents dans toutes les branches et des festivals de renommée internationale, comme par exemple le Festival de Cannes dans le cinéma ou le Festival d'Annecy dans l'animation. Notre champ d'intervention couvre toutes les filières de l'image animée, donc le cinéma, l'audiovisuel, l'animation, le jeu vidéo, la création sur Internet. Nous sommes, je le répète, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Mais nous avons aussi une capacité d'influence et de régulation sur le secteur du cinéma et de l'audiovisuel très importante. C'est cet ensemble de réglementations, de régulation et de soutien financier public qui constitue ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Une expression qui signifie que le cinéma et l'audiovisuel au sens large font l'objet d'un traitement particulier dans les traités internationaux, notamment auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce,
Et c'est au nom de cette ambition culturelle que le CNC soutient aussi l'éducation au cinéma, l'éducation aux images pour les enfants, le patrimoine cinématographique, les salles d'art et d'essai notamment, et également les cinéastes et les créateurs du monde entier, en développant une ambitieuse coopération internationale. Grâce à cette politique publique, la France est aujourd'hui le premier producteur européen de films et d'œuvres audiovisuelles. Et c'est le deuxième cinéma le plus exporté au monde. Voilà pour qui nous sommes. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est les défis, les opportunités que nos secteurs doivent relever, particulièrement l'évolution de ce modèle et l'intégration notamment des plateformes. Alors cette année, je vous le disais, le CNC a eu 75 ans. Et le secteur, évidemment, a connu un bouleversement énorme avec la pandémie depuis un an et demi. Toutes les mutations ont été accélérées. Les usages, la place des plateformes, la course à la production d'œuvres, mais aussi le vieillissement du public dans nos salles et pour l'ensemble de nos œuvres. Donc la majeure question pour nous était comment préserver cette création indépendante dans un contexte comme celui-ci. Comment aussi renforcer la compétitivité économique et créative d'une filière d'excellence où les talents français sont nombreux. Nous avons travaillé à l'intégration des nouveaux acteurs comme Netflix, comme Amazon Prime, comme Disney Plus et tous les nouveaux entrants à notre système. En plus de contribuer au fonds de soutien du CNC, toutes ces plateformes ont désormais des obligations d'investissement dans la production, à la fois cinématographique et audiovisuelle, et plus particulièrement dans la création indépendante, comme d'ailleurs toutes les chaînes françaises diffusant en France depuis déjà plusieurs années. C'est entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires français qui sera investi désormais dans la production française. Cela représentera dans un premier temps près de 200 millions d'euros supplémentaires par an pour le financement de nouvelles œuvres. Troisième point, enfin, c'est le travail à un renforcement de la coopération avec vous, avec la Corée du Sud. Avoir toujours l'avenir en ligne de mire, être à la pointe sur les secteurs d'avenir, c'est la force du CNC. C'est grâce à son lien très étroit avec un secteur qui évolue sans cesse. L'avenir, c'est aussi de savoir créer des partenariats stratégiques avec de grands pays de création. C'est le cas de votre pays. La France et la Corée regardent leur cinéma, leur créations respectives, avec une admiration réciproque. Et nombreux professionnels français se passionnent pour la Corée. Il y a des producteurs et des exportateurs français qui rêvent du succès à la Parasite de Bong Joon-ho, évidemment. Palme d'Or, 4 Oscars, 2 millions d'entrées en France et tant d'autres dans le monde. C'est historique et c'est bien évidemment mérité. Mais la Corée, c'est aussi des séries, si populaires en France comme ailleurs. Je pense bien sûr à Squid Games, qui est un phénomène dans le monde entier. Ce regard admiratif réciproque constitue sans aucun doute une chance pour accélérer le renforcement des liens culturels et industriels qui unissent nos deux pays. J'en suis certain. Nous avons développé des partenariats avec d'autres pays, avec Israël par exemple, les États-Unis, Canada, qui sont de grands pays de création, comme la Corée. Nous voulons le faire avec vous, car nous avons beaucoup en commun et surtout beaucoup à apprendre l'un de l'autre. J'en suis certain. Que cette conférence soit celle du premier grand pas l'un vers l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci et à très bientôt. Annyeonghaseyo. Let's talk 2022. I think Korean culture is kind of a buzz with these really energetic, high concept and really inventive ideas, right? And that's what we love. That's what we love to see.
Bonjour, je suis Yun-Lee Kim, donc actuellement je dirige Picoma Europe qui prépare son lancement d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui je souhaite tout simplement vous parler de l'histoire du développement du Webtoon en Europe et plus précisément en France, ce qui va permettre tout simplement pour vous en tout cas de comprendre quels sont les enjeux, quels ont été l'historique tout simplement du Webtoon en Europe, et cela va également vous, nous permettre d'aborder le sujet du marché de l'édition et du digital en Europe et en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au marché européen, on se dit souvent que l'Europe ne fait qu'un, l'Union européenne, les 27 pays, etc. etc. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Europe, bien entendu, est unifiée au sein de l'Union européenne, mais l'Europe ne fait pas un, ne fait pas un seul bloc. L'Europe, c'est 27 pays, quasiment 27 langues différentes, voire plus si on rajoute les langues régionales, ainsi que les disparités en termes de culture, en termes d'habitude, en termes de développement. Il y a beaucoup de disparités. Et par rapport à ce marché, il faut donc bien comprendre que l'Europe, c'est un patchwork de plusieurs pays, de plusieurs cultures et de plusieurs peuples. Quand on regarde le marché, en tout cas de l'édition en général, le marché de l'édition est composé, en tout cas en Europe, pour les plus grands marchés. Il y a le marché allemand, qui est le plus gros pour le coup. Le marché français ainsi que le marché espagnol, qui ont en tout cas au niveau de l'édition à peu près la même taille. Et le marché italien, donc ça constitue à peu près les 4 pays les plus gros en termes de marché de l'édition. Concernant l'Angleterre, je ne l'ai pas inclus dans la mesure où l'Angleterre a fait le Brexit, et il est important en tout cas pour nous de comprendre en tout cas au sein de l'espace économique européen. Quand on parle de l'Allemagne, donc l'Allemagne c'est un grand pays d'édition également, mais si on compare l'Allemagne avec les 3 autres pays, la différence c'est que l'Allemagne, en tout cas au niveau de la bande dessinée, ne produit pas des contenus propres, très peu. Il n'y a pas de marché, on va dire, et de création, en tout cas, dans ce pays-là. Quand on regarde la France, l'Italie et l'Espagne, ces pays-là produisent des contenus, bande dessinée notamment, puisque c'est ça qui nous intéresse. Pour la France, il y a la bande dessinée franco-belge. Pour l'Italie, il y a toute la bande dessinée, la culture de la bande dessinée en Italie, notamment concernant tout ce qui est Disney, Panini, etc. etc. Et également l'Espagne, où beaucoup d'auteurs ont travaillé, notamment avec Disney, notamment, sur la création de bandes dessinées. Donc ces 3 pays-là produisent des contenus dans le cadre de la bande dessinée, mais également dans l'audiovisuel, et, contrairement à l'Allemagne, qui est plutôt importatrice de contenus, alors que les autres sont exportateurs. Quand on regarde les plateformes qui existent en Europe, plus généralement, on peut, en tout cas au niveau des plateformes numériques, on peut parler de Disneyo qui existe à peu près depuis 2011, Comixology qui appartient maintenant à Amazon depuis 2013, et Ubooks également qui est un acteur français qui existe à peu près 2013. Et on peut citer beaucoup de typologies d'autres plateformes, que ça soit Second City, BD, Esprit BD ou Buzz, BD Buzz, qui existent jusqu'à maintenant ou pas, puisqu'il y a des plateformes qui ont disparu. En tout cas, on peut dire que c'est au début des années 2010 qu'il y a eu une expansion, en tout cas au niveau des plateformes de BD numérique. Alors, ces plateformes-là sont généralistes, sauf peut-être pour Comixology qui, comme l'indique son nom, se concentre beaucoup sur les comics américains. Isneo est généraliste et Ubooks est devenu généraliste également très récemment. Au niveau des plateformes de webtoon en Europe, il y en a plusieurs. Dailytoon a été le premier, en tout cas en Europe, vers 2010-2011, sachant qu'il y a eu un renouveau depuis donc 2015 et qui propose essentiellement des webtoons coréens sur le sol français depuis 2015. Dailytoon existe aussi en langue allemande depuis 2020 à peu près. Concernant les autres plateformes, il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est de faire la différence entre les plateformes locales qui ont été créées au niveau des entreprises locales, notamment Tomix, Tapitoon ainsi que Webtoon, que tout le monde connaît à peu près. Mais en tout cas, ces plateformes sont arrivées 4 à 5 ans après Dailytoon, donc vers 2018-2019.
Et récemment, donc à partir de 2019, des acteurs français se sont intéressés également au marché. On peut citer la Webtoon Factory ainsi que Veritoon, qui sont portés, eux, par des éditeurs français. Notre média participation pour la Webtoon Factory et le groupe Delcourt pour Veritoon. Je vous propose, après avoir vu en fait cette overview au niveau du marché européen, de se concentrer sur le marché français et le marché français de la BD. Quand on regarde les chiffres du marché français, en 2018, au niveau du chiffre d'affaires en tout cas, le chiffre d'affaires était à peu près de 2,3 milliards d'euros en France, sachant que la bande dessinée en général représentait à peu près 11%. Ce qu'il faut savoir, en tout cas au niveau du marché de la bande dessinée en France, c'est qu'il y a une grande partie qui est « trustée » entre guillemets par les mangas japonais, qui représente entre 30 à 40%, voire plus en ce moment, du chiffre d'affaires du marché de la BD. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ça, le manga japonais existe depuis à peu près les années 80 en France. Ils sont rentrés par l'animation avant d'avoir un premier âge d'or au début des années 2000. Et actuellement, le manga reconnaît un nouvel âge d'or actuellement. Et quand on parle du sujet du digital en France, du numérique en France, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que premièrement, le numérique en France reste relativement relativement faible dans la mesure où dans le marché de la BD en France, le numérique ne représente que 2 à 3% du marché en général. Il faut prendre ces chiffres avec nuance dans la mesure où il y a des acteurs qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce marché. Cependant, ça reste relativement bas, par exemple, comparé au Japon ou à la Corée ou même aux États-Unis. Et même à l'Allemagne où l'édition numérique en général, quand on compare, est relativement élevée. Ce qu'il faut savoir également en France, c'est que depuis les années 2010, il y a eu beaucoup de tentatives par les acteurs locaux de lancer l'industrie numérique, l'édition numérique en France. Notamment, on peut citer Isneo, il y a Comixology qui est arrivé en 2013, un peu plus tard, mais qui est arrivé également avec Amazon, ainsi que Kobo et les autres acteurs. Cependant, en tout cas dans le sujet de la bande dessinée, cela n'a jamais percé. Il y a plusieurs raisons à cela, mais premièrement, on peut citer le format de la bande dessinée franco-belge, qui est un grand format, notamment de 48 pages, qui n'est pas forcément très lisible sous les formats numériques, que ce soit tablette ou smartphone. Le plus important également, c'est de comprendre que ces formats numériques ont un délai de publication assez lent, un rythme de publication assez lent, dans la mesure où la bande dessinée franco-belge, généralement, c'est un tome de 48 pages tous les 1 ou 2 ans. Ce qui diffère beaucoup en fait, du rythme de publication des webtoons ainsi que des mangas, beaucoup plus rapide. Face à ce constat d'échec par rapport au marché français et la numérisation du marché français, beaucoup d'acteurs ont tout simplement abandonné l'idée ou alors ont préféré se concentrer sur le marché papier qui fonctionnait et qui continue à grandir aujourd'hui. Donc, le marché du numérique en France, les acteurs se sont concentrés à avoir une attention particulière au numérique très récemment. Comme on peut le voir au niveau de la chronologie des plateformes, après les années 2010, donc et après Dailytoon en 2015, c'est plutôt très récemment, donc en 2019-2020, que les acteurs traditionnels se sont intéressés et qui ont commencé à soit ouvrir leur plateforme, soit à créer des contenus. Ce qui est le cas, par exemple, pour le groupe Média Participation ou le groupe Delcourt, avec les plateformes qui leur appartiennent, et notamment la création qui s'est lancée également, notamment avec Média Participation, mais également le Korean Never, où des acteurs locaux, entre guillemets, des auteurs locaux, se sont mis à créer des webtoons. Bien entendu, ça reste peu visible au niveau du public français. Cependant, c'est un travail nécessaire et qui demande à être développé dans le futur. Il faut bien faire la différence également au niveau des plateformes, de la typologie des plateformes. Il y a des plateformes qui se rapprochent plus de la typologie, on va dire, des acteurs coréens ou alors asiatiques qui se sont lancés en France, notamment Dailytoon. On peut également citer Toomix, Tapitoon et Never, donc qui sont des acteurs
coréens ou asiatiques en général qui se sont lancés. Et il y a les plateformes européennes qui se sont lancées à l'initiative des acteurs européens. Ce qui est important également de comprendre, c'est que, en tout cas, quand on regarde l'historique du développement du Webtoon en France, le rôle de Dailytoon a été important dans la mesure où Dailytoon a non seulement apporté les contenus, donc qui sont les Webtoons, mais également le modèle économique qui va avec. En parlant de modèle économique, tout simplement, pourquoi l'avènement du numérique est venu en retard par rapport aux autres pays en France? Il y a le manque, en fait, de business model adapté, en tout cas, à la bande dessinée et au webtoon. Le sentiment, pas de refus, mais un sentiment négatif, en tout cas, au niveau du numérique, comme quoi le numérique allait concurrencer, voire cannibaliser le papier, et ce qui entraîne toute la chaîne, en fait, éditoriale derrière, les libraires, les papeteries, les imprimeurs, etc., etc. Donc la chaîne qui était inquiète par rapport à ça. Et également, plus important en tout cas, c'est le ScanTrad, donc qui est tout simplement proposé des traductions illégales qui sont proposées sur des sites illégaux en France et qui nuit en fait au potentiel économique des contenus qui sont proposés en payant. Cependant, récemment, on a également observé un gros changement, notamment avec le Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid, je pense à peu près dans tous les pays, a changé pas mal de choses. C'est également le cas en France. Ce qu'on a observé en tout cas dans l'édition, c'est que l'édition n'a pas du tout souffert de la crise du Covid en France, notamment à cause du confinement dur qui a été instauré en France, contrairement aux autres pays asiatiques, notamment la Corée, où il n'y a pas eu de confinement dur. Au niveau du confinement, cela a permis non seulement de relancer le numérique, mais également le secteur de l'édition en général, puisque les personnes ont cherché à acquérir en fait, des contenus de type lecture, notamment de BD, à partir de cette période. Et avec également l'aide du gouvernement français, qui a beaucoup investi avec différentes actions au niveau de la culture, a permis de booster le marché de la culture en général, et notamment l'édition et la bande dessinée, puisque la bande dessinée a connu une grande croissance. Et ce qui a également permis en fait, aux gens d'avoir plus de temps, puisqu'ils étaient confinés en tout cas, à attribuer dans la consommation de biens numériques et de biens culturels en général. Donc on observe un boom, tout simplement, de la snack culture en France. Et je vous propose de passer sur le sujet de la France et le Webtoon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France reste un marché papier, malgré l'importance grandissante du Webtoon en France. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les Webtoons qui ont été publiés en papier, en tout cas en France, ont connu un franc succès, notamment Solo Leveling, pour ne citer que le titre. Et il y a vraiment une synergie à avoir. Et peut-être que, au niveau en tout cas de ce sujet-là, le papier vient en renfort, en synergie, permet d'approcher les personnes plus facilement, en tout cas sur un marché qui est beaucoup plus papier actuellement. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que si on souhaite que le webtoon puisse grandir en France, et notamment en Europe, il faut de gros titres. On parle beaucoup des mangas japonais, mais les mangas japonais ont beaucoup de gros titres qui ont influencé la pop culture, mais également la vie des gens, qui ont marqué la vie des gens. Il faut également ces titres. Solo Leveling est un bon exemple, c'est un premier, mais il faut un second, troisième, quatrième, cinquième Solo Leveling pour que le webtoon puisse se développer correctement tout simplement inscrire ses marques dans la société française. Au sujet de Picoma Europe, donc Picoma Europe a tout simplement l'intention de commencer ses activités en France d'ici la fin de l'année avec le modèle tout simplement de succès que l'on a connu au Japon et en l'important en France, sachant que le modèle fait un mix entre les mangas japonais et le webtoon. L'objectif par rapport à ça, par rapport à notre développement économique, c'est de trouver une synergie forte entre le secteur de l'édition qui existe et qui est en développement en France, notamment du manga, avec le webtoon, dans la mesure où les webtoons, en tout cas chez Picoma, on considère que les webtoons sont complémentaires par rapport au manga. Et on souhaite également se concentrer sur l'essence même des contenus des contenus tout simplement, dans la mesure où le contenu est roi, les IP sont rois, et on souhaite se concentrer sur les IP ainsi que sur les contenus pour pouvoir proposer les meilleurs contenus en France, que ce soit coréen, japonais ou autre, sur la plateforme Picoma en France. Merci.
Bonjour, je suis Didier Passamonic, je dirige l'agence BD, qui est une société de communication en France, et notamment le site actuabd.com, qui est le premier site d'information sur la bande dessinée en France. Alors on me pose la question aujourd'hui, comment la bande dessinée coréenne peut-elle se déployer en France à un niveau aussi important que celui des mangas japonais, par exemple ? Pour ça, il faut un peu se rappeler comment les mangas sont arrivés en France. Et surtout, se rappeler qu'il y avait deux conditions nécessaires pour que les mangas puissent accrocher. Parce que ce qui compte, c'est d'abord d'accrocher le marché. Alors, comment ils ont accroché le marché ? Ils ont accroché le marché sur deux éléments principalement. D'abord, historiquement, ils ont créé un truc étonnant en 1953. Il faut se souvenir que la bande dessinée et surtout l'animation, elle était essentiellement américaine, c'était Walt Disney. Et Walt Disney faisait de l'art. Et donc pour Walt Disney, la télévision, c'était vulgaire, c'était pas très intéressant. Et surtout, c'était pas rentable, parce que la télévision venait de commencer à exister, et c'était le dessin animé en salle qui était important. Et ce que les Japonais ont réussi à faire en 1953, grâce à Osamu Tezuka, c'est décider que pour la télévision, il ne fallait pas faire de la full animation de grande qualité, il fallait faire une animation un petit peu moins qualitative, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la semi-animation, c'est-à-dire avec 8 ou 12 images par seconde et pas 24 images. Et donc, ça leur a permis de proposer aux télévisions du monde des dessins animés qui, techniquement, fonctionnait. Et à cause de ça, Walt Disney, par exemple, a été très longtemps écarté de la télévision. Il a fallu des années avant qu'il revienne. Il y avait d'autres concurrents qui sont arrivés. C'est un peu la même chose qui se passe avec les mangas en France. C'est-à-dire que les Japonais ont compris, mais vous aussi, en Corée, vous avez compris, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie de flux. C'est-à-dire qu'on doit produire de l'information et de la fiction en permanence. Et donc, les webtoons, c'est ça, c'est du flux, c'est le feuilleton du 19e siècle, comme on l'a connu dans la littérature en France. Les Français et les Belges n'avaient pas encore compris que le monde était en train de changer. Et c'est pour ça que les mangas sont arrivés en France. Ils sont arrivés en France vers la fin des années 70, avec une revue qui s'appelle le Krikitu, qui était édité par un Japonais. Donc c'est même pas un éditeur français, en l'occurrence suisse, c'est un Japonais qui a pris cette initiative. Donc comme quoi, rien n'interdit à des acteurs coréens de publier en France. Ce qui est important, c'est de bien comprendre quel est le fonctionnement du marché. Et un point qui est très très important à comprendre, c'est que je suis bien placé pour le savoir parce que dans les années, à la fin des années 80, j'ai été directeur général du livre de poche. Les éditeurs français avaient décidé de publier leur BD en format de poche. Et ça a été très vite un échec. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y avait pas assez de matière. Très vite, je sais pas, par exemple, il y a 23 épisodes de Tintin. Déjà, les ayants droit de Tintin, les ayants droit d'Hergé refusaient qu'on trafique les dessins pour en faire des volumes de poche. Mais en plus, il n'y avait pas assez de matière, ils auraient fait 30 titres et c'était fini. Alors qu'en face, les mangas proposaient des dizaines et des dizaines de volumes. Et ça a permis au manga de pénétrer sur le marché, sachant que le lieu privilégié de diffusion du poche, c'est ce qu'on appelle en France la grande distribution. C'est-à-dire, ce sont les supermarchés, ce sont les hypermarchés. Et la bande dessinée, dans les années 80, avait triomphé dans ces secteurs-là. Mais à côté de ça, eh bien, les mangas sont arrivés avec des acteurs qui avaient commencé à faire du poche, mais qui perdaient beaucoup d'argent. Quand j'ai pris la direction du livre de poche bande dessinée chez Hachette en 1988, ils perdaient
beaucoup d'argent. On m'a demandé d'arrêter de produire du poche parce que c'était une source de perte importante. Pourquoi c'était une source de perte importante? Parce que les franco-belges avaient pensé faire les livres en couleur, alors que les mangas étaient en noir et blanc. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choix de format, il y a des choix de support économique qui ont été très opportuns pour les mangas à l'époque. Donc ce n'est pas seulement lié au contenu des mangas, il y a aussi l'environnement commercial qui est important. Et des grands acteurs comme Hachette ou J'ai lu ont essayé de faire eux-mêmes des bandes dessinées au format poche, ils n'ont pas réussi. Et ils se sont rabattus finalement sur un éditeur comme Glénat. Alors l'anecdote est amusante, donc Glénat, qui est aujourd'hui le grand éditeur de Dragon Ball ou de One Piece en France, Glénat était allé au Japon pour essayer de vendre ses propres productions. Ça n'a pas intéressé les Japonais. Et donc, mais en revanche, il a acheté aux Japonais, un peu pour essayer d'obtenir un échange, il a acheté aux Japonais Akira de Otomo, parce que c'était le dessin qui ressemblait le plus au dessin européen. C'est normal parce que Otomo était inspiré par le dessinateur Moebius, qui est un dessinateur français. Et donc il publie Akira. D'abord, ils vont le faire en magazine, et puis très vite, dès le numéro 1 de Akira, ça fait 35 000 exemplaires vendus en quelques jours. Et là, il y a une compréhension que les mangas peuvent être un vecteur important d'édition. Et ça, c'est la chance des Japonais. Ils ont réussi ce coup-là. L'autre chance des Japonais, c'est que ils ont réussi à rencontrer des acteurs qui étaient abreuvés de dessins animés grâce à, quand on vous parle grâce à un programme français, quand on vous parle de Club Dorothée, c'est un programme de télévision français que tous les enfants ont vu dans les années, au milieu des années 70. Et grâce au Club Dorothée, tous ces enfants qui étaient abreuvés de dessins animés, encore une fois avec une économie de flux, c'est-à-dire qu'il y avait 10 fois plus de dessins animés japonais que de dessins animés européens. C'est tout simple. C'est une lutte de flux. Et donc ce flux japonais étant important sur les écrans a permis derrière d'avoir une génération de gamins qui étaient complètement fans de manga. Et donc c'est là où il y a eu une intelligence aussi de la part des Japonais, c'est qu'ils ont créé un festival qui était consacré à la culture japonaise. Et là où ils étaient malins, c'est que ce n'était pas un festival de bande dessinée, comme à Angoulême ou le Comic-Con de San Diego. C'était un festival des loisirs japonais. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement les dessins animés, ce n'était pas seulement la musique, c'était aussi les films, c'était aussi les jeux vidéo, c'était la cuisine, c'était le voyage, c'était le sport. Et avec un avantage historique, c'est que n'importe quelle petite ville en France, il y a 38 000 communes en France, chacune de ces 38 000 communes avait au moins un club de judo. Peut-être qu'il faut qu'on invente des événements en France qui fassent mieux connaître la Corée, qui fassent mieux connaître la Corée dans son ensemble, y compris la nourriture, c'est très important pour les Français, la nourriture, déjà, il y a la musique, etc. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait la gamme la plus large, parce que ce qui fait la caractéristique des Français, c'est qu'ils adorent toute forme de culture, que ce soit l'architecture, que ce soit... Et donc, il faut faire connaître, il faut donner une identité à la culture coréenne. Alors, ce qui est important, c'est que ce festival de Japan Expo, et vraiment je recommande aux Coréens de faire la même chose, ce festival de Japan Expo a permis de faire émerger toute une série de petits éditeurs. Parce que les grands éditeurs, pour eux c'est facile, ils ont des outils de diffusion, de distribution, une puissance de publicité importante, mais grâce à ce festival, des petits éditeurs ont pu émerger et gagner finalement des nouveaux publics, gagner en diversité. Vous savez que la France est le pays où il y a le plus de
titres de manga publiés dans le monde. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils ont peut-être 10 ou 15 best-sellers et puis ils vont pas plus loin. En France, même les plus petits auteurs japonais sont publiés, bon, parfois à 1000 exemplaires. Mais il y a une très grande diversité culturelle. Donc c'est important pour les Coréens de faire connaître tous vos auteurs. Les auteurs, ce sont vos ambassadeurs. Ce sont eux qui, d'abord, ont du génie, qui vont pouvoir s'adresser au plus large public possible, mais ce sont vos vrais ambassadeurs. Et donc, il faut absolument créer un événement multiculturel en France, parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Il faut faire attention aussi à la relation avec les éditeurs français et avec les Français en général. Par exemple, les Japonais ont fait une bêtise, à mon avis, c'est qu'ils ont créé une agence qui s'appelle, à travers Viz, ils ont racheté un label qui s'appelle Kazé, et ils se sont dit, nos meilleures licences, on va les garder pour notre label propriétaire. Ça a été très très mal perçu par les éditeurs français, qui ont bien fait comprendre, et du coup, les Japonais ont dû un peu reculer, un peu mettre leur impérialisme sous le mouchoir. Ils ont dû un peu reculer et quand même garder de bonnes licences. Et puis surtout, ils ne connaissaient pas les clés, ils ne connaissaient pas les codes du marché. Parce que qu'est-ce qui fait l'intérêt d'un éditeur français comme Delcourt ou Glénat? C'est que ce sont des gens qui contrôlent le réseau. La caractéristique du marché français, et là je parle de pur marketing, c'est qu'on a un réseau de libraires qui est l'un des plus denses du monde. Vous ne pouvez pas aller dans n'importe quelle petite ville de province sans avoir, par exemple, une librairie spécialisée de bande dessinée. Et ça, ce réseau-là, il est extrêmement important. Et je voudrais faire cette petite explication. Au fond, il y a 5 niveaux de diffusion en France. Le premier niveau, c'est très important d'y être, ce sont les librairies spécialisées. Elles ne sont pas beaucoup, c'est 300, 400 points de vente. Mais ce sont des points de vente prescripteurs, c'est eux qui vont donner le ton à tout le marché. Si ça marche sur les librairies spécialisées, vous allez très vite dans ce qu'on appelle le premier niveau de librairie, qui sont les 3000 libraires, qui sont des gros libraires comme la FNAC par exemple, qui sont répartis sur tout le territoire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le deuxième niveau, le second niveau. Alors, second niveau, c'est les supermarchés. C'est Monoprix, par exemple. Et si vous allez à Monoprix, vous remarquerez qu'en réalité, ils ont très peu de livres. Ils ont quelques mètres de linéaire. Et en fait, c'est un marketing particulier, c'est un marketing de best-seller, mais c'est 6000 points de vente. Vous voyez, 300, 3000, 6000 points de vente. Et puis, il y a ce qu'on appelle les hypermarchés. Alors, c'est un marché qui est un peu en perte de vitesse, mais les hypermarchés qui ont des rayons de librairie, c'est un autre 6000 points de vente. Et puis, à ça, vous rajoutez un cinquième élément de distribution, ce sont les kiosques, là où on vend les journaux. Et là, il y a 12000 points de vente. Donc, pour arriver entre le premier niveau et les kiosques, il n'y a que les grands best-sellers qui y arrivent. Il n'y a que Astérix qui arrive à aller du premier niveau jusqu'au kiosque. Et certains mangas. Donc, il y a un long chemin. Il y a un long chemin. Et ce long chemin passe par une compréhension du marché et du fonctionnement du marché et des alliances avec les éditeurs, les distributeurs français, parce qu'eux, ils sont sur le terrain depuis très longtemps, ils ont cette expertise et ils savent comment défendre vos produits. Je me souviens, il y a 40 ans, vous savez, je ne suis pas tout jeune, ils avaient invité à Angoulême le directeur d'une chaîne de librairies japonaises. Et la question était, comment on peut vendre les bandes dessinées françaises aux Japonais ? Et le directeur de cette chaîne a répondu quelque chose de très simple, qui n'a pas été forcément bien compris. Il a dit, vous savez, au Japon, il y a des Japonais. Eh bien, c'est la même chose. En Corée, il y a des Coréens et en France, il y a des Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre comment, culturellement, les Coréens consomment, enfin comment les Coréens consomment la culture et comment les Français consomment la culture.
C'est pas la même façon, c'est pas les mêmes intériorisations. Il y a un rapport différent à la religion, à toutes sortes de paramètres. Le discours amoureux français n'est pas le discours amoureux coréen. Et donc, cette différence, il faut la comprendre pour pouvoir s'adresser aux Coréens et inversement s'adresser aux Français. Ma conviction, en fait, c'est que le seul moyen d'arriver à faire en sorte que les Coréens trouvent vraiment leur place en France, c'est une coopération entre les Coréens et les Français. Mais une coopération avec les artistes. C'est eux la clé du succès. Je vous donne un exemple. C'est Kim Jong-gi, pardon si je ne prononce pas bien. Kim Jong-gi, je l'ai rencontré, c'est un type absolument extraordinaire, formidable. Je peux vous raconter cette anecdote parce que c'est très impressionnant. La première fois que je le rencontre, c'est à Angoulême et je n'ai pas le temps. Je dois lui déposer un bouquin pour qu'il le dédicace et j'ai un rendez-vous et je lui dis « Voilà, je vous donne mon bouquin, mais je reviens dans 10 minutes ou un quart d'heure parce que je dois absolument rencontrer. Il y a un ministre qui est là et donc il faut que je rencontre. » Et je reviens. Et je reviens une demi-heure plus tard et j'ouvre le livre qu'il m'a dédicacé. Il avait fait mon portrait. Il m'avait vu 12 secondes. Il avait immédiatement photographié et il avait fait un portrait tout à fait ressemblant. Et ça, c'est absolument étonnant. Et là où il a été très, très habile, lui et son équipe, parce qu'il a derrière lui toute une équipe qui fonctionne très bien, c'est qu'il a fait des drawing shows qui ont eu énormément de succès, qui ont été à chaque fois relayés sur YouTube avec des millions de vues. Ce qui fait que il a pu développer en France, en partenariat avec un éditeur français qui s'appelle Jean-Christophe Corrette, il a publié ses livres lui-même. Et il les a mis en vente sur un shop français. Et dès la première année, il faisait 60 000 euros de chiffre d'affaires en vendant ses propres livres à des gens qui, normalement, n'avaient jamais entendu parler de lui. Donc, c'est un bon exemple. L'autre bon exemple, c'est le cas de Snowpiercer, quoi. Voilà, c'est une bande dessinée française des années 80 qui avait eu son petit succès, mais ce n'était pas extraordinaire. Et grâce à un réalisateur coréen qui s'appelle, j'espère le prononcer correctement, Bong Joon-ho, c'est devenu un film magnifique, extraordinaire et en même temps une série télé sur Netflix. Donc on voit bien que quand les Coréens et les Français travaillent ensemble, ils peuvent réussir. Et vraiment, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de bien penser aux différents moyens de faire rencontrer les Coréens et les Français. Par exemple, il y a un point qui est crucial, c'est la traduction. Bien traduire en français les œuvres coréennes, c'est capital. Parce que traduire, c'est pas seulement... Il y a une expression italienne qui dit « traduttore et traditore », traducteur, traître. Il ne s'agit pas seulement de traduire mot à mot, il s'agit d'écrire, d'avoir une écriture. Les traducteurs sont des gens très importants qui peuvent bien rendre les images poétiques, la magie du langage. Et donc, il y a une école qui s'appelle l'INALCO à Paris. Je sais qu'il y a de plus en plus d'étudiants de coréen à l'INALCO, mais c'est un point important sur lequel il faut vraiment trouver des moyens de faire venir, par exemple, des étudiants coréens en France et inversement des étudiants français en Corée, parce que ces gens-là, ce n'est pas seulement des traducteurs, c'est les futurs éditeurs. C'est des gens qui peuvent lire les œuvres dans les langues originales et dire « Ah c'est vachement bien, il faut le publier en français ou en coréen ». Et c'est important qu'il y ait ce double échange en faisant des résidences d'artistes. C'est pas très coûteux d'inviter un artiste à vivre pendant 3 mois dans un endroit sympa de la Corée. Et la France, je suis sûr, peut intéresser pas mal de jeunes Coréens qui viennent apprendre le français, apprendre la mentalité française. Et ça vous permettra de faire des œuvres qui vont pas seulement intéresser les Français, qui vont être internationales. Parce que la France, c'est au centre de l'Europe. C'est vraiment un diffuseur de culture dans tout le reste de l'Europe. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut
En termes de recherche et développement, ça coûtera beaucoup moins cher d'investir sur un auteur pendant quelques mois pour faire une œuvre qui puisse parler aussi bien au coréen qu'en français, que d'imprimer des œuvres dont on ne sait pas à qui ça s'adresse. Donc je pense que c'est vraiment un critère important, et évidemment ça prendra le temps qu'il faudra. Les mangas sont là depuis 50 ans maintenant, donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais je suis sûr qu'un jour, si on prend cette voie-là, la bande dessinée coréenne et la coopération entre la Corée et la France vont réussir à faire des grandes choses. Annyeonghaseyo, je m'appelle Pascal Laffine, je suis directeur éditorial pour la plateforme de webtoon Veritoon et pour la collection de livres K-Book qui adapte des webtoons en version papier. Voilà, donc pour me présenter, je travaille pour les éditions Delcourt. Jusqu'à présent, en fait, avant, je m'occupais de la collection manga des éditions Delcourt, et comme je me passionne personnellement beaucoup pour la Corée et surtout les dramas, parce que je suis un grand fan de séries dramas, donc ça m'a amené à aller plein de fois en Corée et découvrir, en fait, au-delà des dramas, les webtoons et plein de choses comme ça. Voilà, donc du coup, ça m'a donné envie d'amener le webtoon en France. Donc j'ai été voir tous les éditeurs, en tout cas beaucoup d'éditeurs coréens de webtoons, pour leur demander s'ils acceptaient de me vendre des webtoons pour faire les versions papier, puisqu'au départ, j'étais parti sur les versions papier avant de faire les versions web, puisqu'en France, on est un pays de papier et que le numérique ne marche presque pas, en fait, n'a presque pas de succès en France. C'est des ventes qui sont toutes petites. Donc, au départ, j'avais été pour pouvoir faire des versions papier des webtoons. Et puis, quand j'en ai discuté avec mon patron, Guy Delcourt, lui, il a trouvé que c'était intéressant d'aller encore plus loin et de carrément créer une plateforme française qui puisse diffuser du webtoon. Et on a commencé l'aventure comme ça. Et au début de cette année, on a créé la plateforme Veritoon. Et quelques mois plus tard, au mois d'avril, on a commencé en fait à faire les adaptations papier qui sont sorties et qui sont en cours et qui ont énormément de succès. Alors, pour ce qui est des gens qui fonctionnent en France, je pense qu'il y a deux gens à deux courants, on va dire ça comme ça, qui se battent, le courant féminin, le courant masculin. Pour le courant masculin, c'est très simple, c'est la fantasy action. Et pour les filles, c'est ce que j'appelle les vilainesses. En gros, c'est souvent des filles qui voyagent dans le temps et qui se retrouvent dans un monde médiéval, dans un monde fantastique, dans le corps d'une méchante, etc. Le webtoon en produit énormément et ça a vraiment beaucoup de succès côté féminin. Pour ce qui est des garçons, c'est beaucoup d'histoires, un peu de fantasy avec des mondes parallèles, des choses comme ça. Effectivement, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et donc, c'est un genre qu'on trouve dans la bande dessinée française, dans le manga. Mais effectivement, le webtoon coréen a plein de particularités dans sa façon de raconter les histoires
qui fait que c'est différent, c'est très actuel. On intègre dans le webtoon beaucoup de choses modernes, comme par exemple l'utilisation du téléphone portable, l'utilisation des jeux vidéo, le mode d'utilisation du jeu vidéo, etc. Donc la façon dont c'est mis en avant fait que ça apporte un mode de lecture différent et du coup ça touche un public nouveau qui n'était pas habitué à lire de la bande dessinée de cette façon. Pour ce qui est de Veritoon et de sa stratégie, au départ, nous, on voulait vraiment faire découvrir, comme moi, je suis fan de drama, mon point de départ avait été d'acheter des séries qui existaient en drama. C'est pour ça que j'ai pris en premier Secrétaire Kim, parce que j'étais un grand fan de la série Secrétaire Kim, donc forcément, pour moi, c'était une évidence de faire Secrétaire Kim. Donc, j'ai acheté au départ beaucoup de séries comme ça, plus à côté des séries qui avaient du succès comme Solo Leveling, où j'avais eu le coup de foudre la première fois que je l'ai lu. Et donc, ça a été notre point de départ. Et puis, entre-temps, il y a d'autres plateformes de webtoon qui se sont installées en France. Donc, du coup, ça nous a poussé à modifier la stratégie. On devait s'installer depuis l'année dernière, mais avec le Covid, ça a changé un peu les choses. Et donc, du coup, on a démarré en réalité en janvier de cette année. Avec quelques séries, en essayant d'avoir le plus de séries possibles qui sont des dramas. Et maintenant, à partir de l'année prochaine, on va encore changer notre stratégie, puisque comme il y aura beaucoup de concurrents en France, j'ai compté qu'il y aura à peu près 9 plateformes différentes qui vont diffuser du webtoon. Alors, je ne parle même pas de plateformes comme la Web Factory qui font du webtoon français. Je parle uniquement des plateformes qui auront du webtoon coréen dessus. Une longue période difficile qui va aller de décembre de cette année jusqu'à à peu près juin, parce que comme il y aura une grande quantité de plateformes, de titres proposés, effectivement, ça va être très très dur pour tout le monde, sachant que la France est un pays qui est un peu particulier là-dessus par rapport aux nouveautés. C'est-à-dire qu'en Asie, on peut aller souvent, quand il y a un nouveau genre, une nouvelle chose qui se crée, aller en masse dessus très vite pour le découvrir. En France, il y a toujours ce recul de voir d'abord si c'est intéressant, si ça fonctionne avant d'y aller. On n'a pas, en France, on n'a pas trop cette culture de sauter sur la nouveauté et aller très très vite dessus. Donc effectivement, ces six premiers mois risquent d'être assez importants pour le webtoon, parce que ça peut soit créer un engouement, soit faire tout l'effet inverse. C'est un peu ce qui était arrivé au début 2000, quand il y a eu le manhwa qui est arrivé en France. Le manhwa, c'est les premières BD coréennes, en fait, typiquement, qui étaient arrivées. Ça a été présenté, ça a été une erreur, on va dire, politique, la façon dont ça a été présenté. Ça a été présenté un peu comme l'anti-manga, ou en tout cas un truc équivalent au manga, et ce n'était pas du tout ça. Il y a eu un rejet parce que ça a été mis pour des lecteurs de manga qui ont pris ça plutôt mal. Il y a eu beaucoup de titres qui sont sortis d'un seul coup, même parfois plus que tous les éditeurs de manga réunis, ce qui fait que ça a créé en fait tous les faits inverses, et ça n'a pas duré, et ça a fini par s'arrêter. Le webtoon, c'est pour ça que j'ai essayé, moi, quand on a commencé, d'y aller très doucement la première année, de sortir que 6 titres seulement pour la première année, et ensuite d'augmenter petit à petit pour la version papier. Je parle bien de la version papier, augmenter petit à petit de façon à pouvoir créer un marché sur le long terme et non essayer de faire juste un coup d'édition en sortant les livres et en prenant le risque de tuer le marché et de faire qu'il n'y ait pas de suite. Donc, par contre, pour la partie webtoon, c'est là où c'est compliqué, c'est que comme il y a plein de plateformes qui arrivent d'un coup, il n'y aura pas vraiment de gestion pour apprendre aux lecteurs français à petit aller découvrir chaque plateforme. Et c'est ce qui va être compliqué, parce qu'il va y avoir une bataille de prix, une bataille de promotion, beaucoup de choses comme ça, qui peut au contraire en fait créer un effet radicalement différent où plus personne n'ait envie de lire de webtoon. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'axer nos stratégies pour mettre en avant certains types de séries, certains types de contenus, la découverte, montrer ce que le webtoon a de différent du manga, ce que le webtoon peut apporter. Et pourquoi le webtoon peut tenir pendant très longtemps en France? Parce qu'en France, on est un pays qui aime découvrir les nouveaux genres de bandes dessinées.
Et le webtoon, c'est un nouveau genre de bande dessinée qui, en plus, a cette faculté de s'adapter très très vite au sujet du moment et à avancer. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Du coup, pour la version papier, ben effectivement, j'ai fait les versions papier parce que la France, c'est un pays de papier. Ça fait partie des trois gros pays dans le monde du papier avec le Japon, les États-Unis, la France est l'un des gros pays. À la différence près, c'est que le Japon lit quasiment que de la bande dessinée japonaise. Donc, hormis le manga, on trouve très peu de bandes dessinées étrangères. Par exemple, il y a des webtoons papier qui sortent au Japon, mais on les trouve quasiment pas dans les top Oricon. Ils sont presque invisibles alors qu'ils se vendent. Les États-Unis, on trouve principalement du comics américain. Il y a quelques bandes dessinées différentes, mais c'est surtout le comics qui est mis en avant. Alors qu'en France, on a plein de types de bandes dessinées qui arrivent à vivre ensemble, qui arrivent à coexister, cohabiter dans un même espace sans qu'il y ait de guerre ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a la bande dessinée française d'un côté avec plein de genres différents à l'intérieur. Il y a le manga qui tient une grande part. Le webtoon, quand on est arrivé avec les versions papier, ben, ça a tout de suite pris. Les libraires ont été très contents d'accueillir un nouveau genre de bande dessinée parce que ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Alors, il y a encore des gens qui ne comprennent pas le concept, qui ne comprennent même pas ce que c'est que les BTS, donc, qui savent, qui en ont entendu parler, mais en tout cas qui ne comprennent pas le concept du Hallyu globalement, mais qui savent que les jeunes sont intéressés par ça et en fait, ça fait partie d'une logique culturelle puisque tous les 15-20 ans, chaque génération en France a son style à lui depuis très longtemps. Ça, pour la musique, c'est pareil avec le rock, etc. Donc, c'est une évolution. À l'époque, ça me paraissait créer une plateforme de webtoon, ça me paraissait impossible en France, sachant que le numérique ne se vend pas. Donc, je me suis dit, on va proposer, faire découvrir ce nouveau support en version papier. Donc, j'ai acheté pas mal de webtoons à mettre en papier. Entre-temps, on a décidé de faire la plateforme, donc j'ai retardé les sorties pour pouvoir faire les deux coexister en même temps. Et puis, du coup, j'ai pas mal de titres en réserve. Donc, cette année, j'en ai fait que 6. L'année prochaine, je vais augmenter la production en faisant à peu près 32 titres. Sachant que sur ces titres-là, je n'essaie pas absolument de faire un seul genre, soit l'action fantasy, soit des trucs des thrillers psychologiques, etc. D'un côté, les jeunes hommes, avec on va dire les adolescents, faut pas exagérer, avec des séries comme Solo Leveling. Les femmes, un petit peu plus âgées, avec des séries comme Secrétaire Kim. En plus, il s'avère que ma mère, personnellement, adore les dramas et que du coup, elle a découvert, elle n'avait jamais lu de bande dessinée, mais elle a commencé à en lire, justement, grâce au webtoon. Donc, ça me donne de l'espoir pour les versions papier, parce qu'elle a 70 ans. Je me dis, si à 70 ans, elle se met à lire de la bande dessinée grâce au webtoon, c'est que le webtoon a un certain avenir. Donc, j'essaie de toucher aussi ce public de ce qu'on appelle en France la femme au foyer, pour justement essayer de leur montrer qu'il existe de la bande dessinée qu'elles peuvent aimer et qui est faite pour elles. J'essaie de toucher aussi les jeunes hommes avec des sujets un peu différents, comme Navilera, qui a été adapté aussi en drama, et j'ai pris la version webtoon pour en faire des versions papier, parce que c'était une histoire que je trouvais très 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 touchante, qui parle d'un sujet fort qui est l'Alzheimer, ce qui est très très rare dans la bande dessinée française et qui justement fait partie de ces sujets qui ne sont pas abordés généralement. Et là, effectivement, ça apporte quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai essayé d'aller sur plein de secteurs, les filles aussi, parce que pour les filles, en bande dessinée française, il y a très peu de choses. Et ce qu'il y a, c'est souvent des sujets de la vie quotidienne. Pas des sujets fantastiques ou de fantasy. Le manga fait beaucoup de shoujo, mais c'est souvent des histoires d'amour avec des très cadrés, très enfermés, avec des sujets bien définis. Alors que dans le webtoon, il y a plein de sujets différents, justement, comme les voyages dans le temps, il y a plein de choses. Et je trouvais ça intéressant aussi d'offrir aux jeunes filles de ce côté-là
de nouveaux types d'histoires. Voilà. Donc en fait, le webtoon, c'est très complémentaire et c'est quelque chose, je pense, qu'on attendait sans le savoir, qu'on espérait en France sans même le savoir. Le webtoon n'est pas du tout un concurrent du manga, ce n'est pas du tout un concurrent de la bande dessinée, parce que c'est une technique narrative qui est complètement différente, une façon de raconter les histoires qui est complètement différente. Déjà, le fait que ça soit une lecture numérique à l'origine, que ça soit de la couleur, la façon de lire est différente avec tous ces espaces blancs qui créent un temps de pause. La façon dont les textes sont agencés, il n'y a jamais trop de texte, il y a juste assez de texte pour pouvoir avoir le dessin à côté qui aide à la lecture. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne trouve pas par ailleurs, qui sont intéressants. Par exemple, dans True Beauty, ça parle de beauté, mais ça va très très loin puisque ça explique comment se maquiller, ça montre des produits de beauté, etc. Donc, ça fait partie de ces choses qui sont innovantes, qui pour moi, apporte quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Et c'est aussi pour ça que de nouveaux lecteurs pourront être recrutés grâce au Webtoon. Et beaucoup de libraires, d'ailleurs, nous ont dit que grâce aux premiers livres qu'on a fait jusqu'à présent, qui sont Secrétaire Kim, Solo Leveling, Noblesse, True Beauty, Crush of Lifetime, c'est un nouveau public qui est arrivé, pas forcément le public qui lisait du manga, c'est des gens qu'ils n'avaient jamais vus dans leur librairie, qui sont arrivés pour découvrir ces nouveaux modes de lecture. Après, si des lecteurs de manga ne vont pas vers le webtoon, moi, personnellement, ça ne m'étonnera pas parce que à mes yeux, c'est un peu comme comparer le comics au manga, ça n'a absolument rien à voir. Donc, le public est forcément différent. C'est une nouvelle génération donc, qui a ses codes, qui a sa façon de voir, sa façon de lire. Et effectivement, le webtoon a cette qualité de pouvoir toucher des gens que le manga, la bande dessinée ne touchait pas jusqu'à présent. Pour ce qui est des premiers résultats, alors Solo Leveling nous a tous surpris puisqu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de ventes en si peu de temps, puisque dès la première semaine de vente, ça a été il y a ce qu'on appelle en France GFK, qui est une sorte d'institut de sondage qui définit à partir des tickets clients le nombre de ventes qui ont été faites sur un certain nombre de librairies. Et à partir de là, ça nous permet d'avoir un feedback de à peu près combien de bandes dessinées se sont vendues. Dans le cas de Solo Leveling, la première semaine a été d'à peu près 14-15 000, ce qui est quand même énorme pour un titre nouveau, différent, et qui l'a placé tout de suite dans les grosses ventes. Aujourd'hui, donc 6 mois après sa sortie, le premier volume en est déjà à plus de 150 000 exemplaires vendus, ce qui est très très bien, et le numéro 2 est déjà à peu près à 100 000, a dépassé la barre des 100 000. Donc dans le cas de Solo Leveling, c'est assez fort pour avoir eu cette faculté d'installer le webtoon aux yeux de tout le monde et montrer que c'était des sujets qui étaient aussi forts que le manga ou la bande dessinée. Pour les autres titres, alors les premiers chiffres sont moins importants, mais reste quand même assez fort pour le futur, puisque par exemple True Beauty, en 5 semaines de sortie en GFK, on est à plus de 10 000 exemplaires de vente, ce qui est plutôt bien. Aujourd'hui, cette semaine, on attend avec impatience les premiers chiffres de Hellbound, puisqu'il y a la série en plus qui va arriver sur Netflix la semaine prochaine. Le titre est sorti mardi dernier, mais on a entre aujourd'hui et vendredi les premiers chiffres de vente. Donc on attend avec impatience de voir ce que ça va donner parce que c'est encore un titre différent. C'est un titre qui est beaucoup plus adulte et ce titre est très important pour nous parce que comme c'est le premier titre adulte en webtoon qui est sorti en bande dessinée, ça va nous permettre de voir aussi si on arrive à toucher avec le webtoon les adultes hommes et pas seulement les adolescents et les adolescentes. Voilà. On a, pour le lancement de Veritoon,
En fait, on avait prévu beaucoup de choses, comme faire un lancement dans une salle, une grande salle à Angoulême. On avait vraiment prévu beaucoup de choses, mais le Covid nous a beaucoup freinés. Le concert était prévu parce que pour moi, le webtoon, le drama, la K-pop, c'est quelque chose qui, ce sont des choses qui sont étroitement liées et qui vivent ensemble. Et si moi, je suis arrivé au webtoon, c'est aussi grâce à la K-pop. En France, la première chose qui a fait découvrir la Corée dans notre pays, c'est la K-pop. C'est la première chose qui est arrivée, qui s'est étendue, et je ne parle pas seulement par rapport au BTS. Avant le Covid, il y avait énormément de groupes ou de chanteurs coréens qui venaient faire des concerts un peu partout en France. Moi, j'en ai vu pas mal. Ça allant de Eric Nam, en passant par les Dreamcatchers. Alors les Dreamcatchers, c'est un concert que j'avais vraiment adoré quand elles sont venues pour la première fois en France. Donc effectivement, c'est vrai que c'est un choix qui est un peu personnel, mais effectivement, quand on a lancé Veritoon, comme j'avais vraiment beaucoup aimé les Dreamcatchers, j'avais vraiment adoré les Dreamcatchers, donc du coup, je me suis dit, tant qu'à lancer, à faire un lancement de Veritoon, autant faire un concert K-pop pour aller avec, et autant prendre les Dreamcatchers, puisque c'était un groupe que j'aimais bien. Il s'avère qu'elles étaient disponibles, qu'elles étaient d'accord pour participer au lancement. Donc on s'est dit, en plus, on pouvait le faire via Internet, puisqu'avec la période de Covid, c'était un peu compliqué, c'était fermé. Donc ça nous a donné cette possibilité de faire un concert de lancement, puisqu'on ne pouvait pas faire beaucoup de choses qu'on avait prévues. Du coup, là, on continue puisqu'on se lance sur d'autres supports. Par exemple, à partir de la semaine du 26 novembre, par exemple, dans toutes les gares de France, il va y avoir sur tous les écrans digitaux des gares de France, de Paris et de France, il va y avoir des publicités pour Veritoon, Solo Leveling, justement, dans chaque gare. Donc, on essaie d'aller sur aussi... On a cette possibilité. En fait, c'est aussi parce qu'on est un éditeur français qui a des habitudes françaises, qui ont un fonctionnement, et pour pouvoir toucher le public français qui est susceptible de nous lire, ou en tout cas de découvrir ce qu'on leur propose, on doit aller sur certains supports et ne pas se dire que toute la communication doit se faire uniquement via des mails, via des réseaux sociaux, via des publicités sur Internet. Il faut penser que la France n'est pas forcément tout le temps un pays nouveau, on va dire, qui va sur des supports nouveaux. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très important de faire des choses qui sont un petit peu plus anciennes, qui sont un petit peu plus différentes, de façon à pouvoir toucher pas seulement les jeunes adolescents qui sont sur leur smartphone en permanence, mais pouvoir toucher ceux qui n'utilisent pas beaucoup leur smartphone, ceux qui préfèrent de la publicité papier, voilà. Donc, on essaie vraiment d'aller sur tous les supports pour notre promotion. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs à Angoulême 2022. On va essayer d'apporter de nouvelles choses. Donc, on essaie vraiment d'aller sur beaucoup de supports. Quand on a fait le lancement de Veritoon et de Solo Leveling, effectivement, on a été sur plein de supports comme ça. Alors, pour Solo Leveling, papier, c'était beaucoup plus facile puisque le papier, la France est un pays de papier. Donc, c'était évident que le papier allait prendre. Par contre, pour la partie numérique, c'était beaucoup plus compliqué. Nous, on avait établi que le gros succès allait arriver au bout de 2 ans. Voilà. Donc, nous, au niveau de nos chiffres, on est, pour Veritoon, on est dans ce qu'on avait prévu. Mais effectivement, du point de vue de nos partenaires coréens, ce n'est pas assez rapide. Mais c'est normal, c'est une histoire de culture. C'est-à-dire que, par exemple, le Dailytoon, qui existe en France depuis 7 ans, cartonne, en fait, a beaucoup de succès depuis à peu près 1 an et demi. Voilà. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, ça a été très, très dur pour eux. Donc, ils ont dû tenir bon, avancer pour que la plateforme puisse avoir du succès. Nous, en l'espace de 6 mois, on a réussi à atteindre des chiffres qu'on avait calculés, qui sont à peu près de 50-60 000, quelque chose comme ça, et qui, pour nous, correspond à une bonne avancée. Effectivement, pour atteindre des chiffres exorbitants type 200-300 000, il faut compter 2 ans parce qu'on n'est pas gratuit.
comme c'est le cas par exemple pour Never, pour webtoon.com. Donc effectivement, le gratuit, en plus, il y a beaucoup de public pour ça. On est une plateforme payante, donc effectivement, il faut habituer les gens, leur montrer qu'on est là depuis très longtemps et qu'ils doivent nous faire confiance et qu'ils peuvent venir sur notre plateforme. Donc c'est aussi ce travail qu'on fait qui est hyper important. De toutes les façons, le gratuit, ce n'est pas un truc qui nous concerne puisqu'on part du principe que beaucoup de personnes qui lisent le gratuit, que ce soit du pirate ou non, ce sont des gens qui, de toutes les façons, n'auraient pas payé pour consommer. Donc, à nos yeux, ce ne sont pas des gens qui sont forcément importants parce que beaucoup d'entre eux ne consomment pas et ils vont vers le gratuit. Par contre, effectivement, il y a des gens qui, eux, ont envie de payer, mais s'ils ne trouvent pas des choses disponibles, eh ben, ils vont prendre ce qui existe. Donc effectivement, c'est vrai que nous, on essaie aussi d'attirer ces gens en leur montrant qu'on a des titres pour eux. Donc on développe sur Veritune beaucoup de types d'histoires différentes. On est en train de créer par exemple une section Boys Love pour les filles qui sont passionnées de Boys Love. Et en France, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc on essaie de créer une offre un peu spéciale pour elles avec une interface de Veritoon qui sera dédié à ça. Voilà, on essaie de développer justement dans ce sens-là des choses vraiment spécifiques. Une partie tranche de vie pour des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont fans d'histoire. Surtout qu'en France, en bande dessinée de fiction, les femmes ne sont pas du tout touchées passé un certain âge. C'est vraiment la bande dessinée en France est destinée surtout à des hommes. Les femmes qui lisent de la bande dessinée n'existent presque pas. En fait, j'exagère en disant ça, il y en a, mais c'est quelque chose qui est assez récent. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de femmes à Angoulême parce qu'il commence à y avoir de la bande dessinée pour elles, mais ce n'est pas encore ça. Et j'ai beaucoup d'espoir dans le webtoon parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, beaucoup de choses qui sont destinées aux femmes. Et c'est un public qui n'est pas du tout touché, en fait, pour l'instant. Et ce public, c'est un public qui m'intéresse énormément parce que, justement, la Corée apporte cette chose qui est un peu nouvelle, qui est la fiction pour les femmes.안녕하세요. 저는 네이버 웹툰에서 프랑스 사업 리더를 맡고 있는 김소울이라고 합니다. 오늘은 유럽 웹툰 내에서 K웹툰, 한국 웹툰이 어떻게 성장하고 있는지에 대한 현황과 다가올 미래 전망에 대해서 말씀드리고자 합니다. 유럽에서의 웹툰은 프랑스를 중심으로 성장하고 있습니다. 프랑스는 벙데시네라고 불리는 전통적인 만화 산업이 원래 큰 규모로 존재하고 있는 국가이고요. 프랑스는 이제 일본의 망가 또한 출판 만화 기준으로 보면 일본 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 시장이라고 할 수 있는 시장이 존재하는 국가입니다. 지금도 굉장히 많은 프랑스 출판사와 작가 그리고 독자가 활발하게 만화를 소비하는 시장이 프랑스이고요. 이런 배경이 있어서 한국의 웹툰 서비스들이 진출하기 이전인 한 2016년부터 프랑스 내에서 이미 크고 작은 웹툰 서비스 플랫폼들이 존재해왔고요. 일정 규모의 독자와 팬덤이 존재해온 국가입니다. 네이버 웹툰은 2019년 스페인어를 시작으로 해서 현재 유럽권 세계 언어 서비스를 운영 중이고요. 19년 11월에 스페인어, 12월에 프랑스어, 그리고 21년 3월에 독일어까지 런칭을 해서 지금 현재 운영 중인 상태입니다.
유럽의 웹툰 시장의 어떤 규모를 먼저 말씀드리려면, 유럽 웹툰 시장은 아직은 태동기라고 보고 있기 때문에 현재 상황에서는 시장 규모보다는 성장세를 보는 것이 더 중요하다고 생각하고 있고요. 한국이 2020년 기준 웹툰 시장 규모가 1조 원을 돌파했다고 알려져 있는데, 프랑스어 웹툰 시장을 놓고 보면 아직 한국에 비해서는 20분의 1 이하 정도로 크지 않은 상태라고 추정을 하고 있습니다. 단그 성장세가 매우 가팔라서 당분간은 이 유럽 그리고 프랑스에서 굉장히 성장 잠재력이 크다고 전망을 하고 있는 상태입니다. 그래서 프랑스를 중심으로 한이 유럽 웹툰의 특징을 조금 설명을 드리려고 하는데요. 프랑스만 놓고 보면 한세 가지 정도 특징을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 첫째는 여전히 굉장히 인기가 많은 프랑스 정통 출판 만화라는 점이고요. 둘째는 작지 않은 규모의 일본 만가 독자층이 존재한다는 것. 그리고 끝으로 가파르게 성장 중인 웹툰, 그리고 디지털 만화 시장이라는 것이 특징인데요. 한 가지씩 조금 더 풀어서 설명을 드려보도록 하겠습니다. 프랑스 정통 출판 만화에 대해서 먼저 말씀을 드리자면, 프랑스에는 주네스 혹은 그러니까 이게 방데시네, 줄여서 이제 BD 혹은 베데라고 부르는데요. 프랑스에는 이제 주네스 베데 혹은 패밀리 베데라고도 부르는 출판 만화 장르가 있습니다. 왼쪽에 해당되는 지금 보시는 화면에서 왼쪽에 해당하는 작품들이 어떤 대표적인 주네스 베데 혹은 패밀리 베데라고 불려진 작품들인데요. 뭐 저희에게도 이미 되게 유명한 아스테릭스나 럭키 리크 혹은 뭐 땡땡의 모험, 스머프 같은 작품들이 대표적인 작품들이라고 할수 있고요. 이 작품들이 모두 첫 출간 후에 되게 수십 년이 지난 작품들이지만 여전히 지금도 프랑스 독자들에게 인기가 있고 연령과 성별을 가리지 않고 굉장히 널리 사랑을 받고 있습니다. 뭐 직접적으로 비교하기는 좀 어렵겠지만 한국으로 치면 아기공룡 둘리나 나라라 슈퍼보드 같은 전통 있는 IP들이 매년 새로운 에피소드로 재출간되면서 뭐 예전만큼의 그 높은 인기를 계속 유지하고 있는 상태 정도로 비유할 수 있을 것 같은데요. 이거는 어떤 전통, 그리고 고전, 그리고 문화적 유산을 중시하는 프랑스 문화가 만화라는 매체에도 깊게 반영된 것으로 해석을 하고 있습니다. 또한 그 오른쪽에 보이는 끝없는 세계, 미래의 아랍, 뭐 이런 작품들은, 이거는 패밀리 베데와는 조금 다른 베데 대 장르라고 불리는 성인을 대상으로 조금 깊이 있고 예술적이고 철학적이고 그리고 사회적인 메시지를 담는 베데 작품들도 널리 읽히고 있는데요. 지금 한국에서의 웹툰은 대중적인 엔터테인먼트 컨텐츠로 주로 소비되고 있다는 점을 고려한다면 이 부분, 이 만화가 예술로서 인정받고 문학으로 인정받고 소비되는 이 지점이 한국을 포함한 다른 나라들과 프랑스 시장이, 프랑스 만화 시장이 갖고 있는 좀 특징이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 두 번째로는 일본 망가들도 굉장히 인기가 있다는 것인데요. 프랑스는 일본 다음으로 큰 출판 망가 시장이 존재합니다. 일본 다음으로 보통 프랑스 혹은 미국 엎치락뒤치락 하는데 최근에 프랑스의 망가 어떤 판매 부수가 크게 증가를 하면서 일본 다음으로 큰 출판 망가 시장으로 조금 자리를 잡아가고 있는 모습을 보여주고 있고요. 대표적으로 프랑스에도 인기 있는 작품들은 한국 독자들한테도 너무 익숙한 작품들이죠. 드래곤볼을 시작으로 원피스, 나루토, 귀멸의 칼날, 그리고 뭐가 있을까요? 진격의 견인, 나의 히어로 아카데미아 이런 어떤 큰 유명 일본에서도 유명하고 한국에서도 유명한 그런 일본 만화 작품들도 프랑스에서 굉장히 인기가 있고요. 프랑스 만의 전체 출판 순위의 상위권을 차지하는 모습들을 굉장히 쉽게 찾아볼 수가 있습니다. 특히 만화를 소비하는 그 독자층의 특징은 연령대로 보면 이제 10대 후반 그리고 20대 초반 독자들에게 인기가 많은 편이고요. 여성 독자들보다는 남성 독자들이 조금 더 많아서 소년물, 쇼넨이라고 불리우는 이 소년물들에 대한 인기가 조금 높다고 이제 평가가 되고 있습니다. 그래서 이 전통적인 베데 시장과 이 만화 팬들까지 모두 합치면 프랑스의 이 만화 시장 굉장히 그 규모가 크다고 보고 있고요. 이거는 프랑스 독자들이 만화라는 매체 자체에 굉장히 익숙해서 모든 그 프랑스 인들이 만화를 되게 사랑하고 그리고 지금도 굉장히 적극적으로 즐기고 있는 그런 시장이라고 보고 있습니다. 그리고 세 번째는
웹툰과 디지털 만화 시장이 가파르게 성장 중이라는 말씀인데요. 디지털 만화 시장, 웹툰과 다른 디지털 만화 시장은 보통 이제 배대 작품들을 스캔해서 PC나 앱으로 이제 읽을 수 있게 해주는 그런 디지털 만화, 웹툰하고는 조금 다른 그런 디지털 만화 시장이 웹툰과는 별개로 또 존재를 하고요. 이 웹툰과 함께 디지털 만화 시장이 함께 이제 좀 성장 중이라고 굉장히 빠르게 성장하고 있는 상황이고요. 프랑스는 저희가 이제 2019년에 진출을 했었는데 그 이전에도 굉장히 크고 작은 디지털 만화 플랫폼들, 그리고 웹툰 플랫폼들이 꾸준히 존재를 해왔습니다. 그래서 이 당시부터 이미 많은 프랑스 독자들이 한국 웹툰이 존재한다는 사실은 이미 알고 있었고요. 굉장히 또 좋은 작품들이 많다는 인식들이 퍼져 있는 상황이었어요. 그래서 저희가 19년에 프랑스 서비스를 시작을 하고 난 이후에 굉장히 이제 라인업 작품들을 굉장히 보강하고 강화하면서 네이버 웹툰 저희뿐만 아니라 유럽 시장 전체가 본격적으로 성장하는 어떤 성장기를 맞이했다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 유럽 웹툰 디지털 만화 시장 규모는 매년 한 100%에 가까울 정도로 두 배 가까울 정도로 가파르게 성장을 하고 있다고 보고 있고요. 앞으로도 이 앞서 말씀드렸던 출판 만화 팬들이 지속적으로 웹툰 독자들로 전환되고 인입될 걸로 보고 있어서 성장 여력이 굉장히 큰 시장이라고 판단을 하고 있습니다. 프랑스 독자들이 어떤 작품들을 선호하는지에 대해서도 좀 말씀드려보려고 하는데요. 우선은 작품 선호도가 특정한 장르 혹은 뭐 소재, 어떤 특징 이렇게 말씀드리기보다는 굉장히 다양한 장르의 작품들을 폭넓게 소비하는 편이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 이거를 조금 더 풀어서 설명을 드리자면 한국 작품으로는 뭐 여신강림이나 재혼왕후 같은 로맨스, 여신강림은 이제 현대 로맨스, 재혼왕후 같은 로판물, 로맨스 판타지물도 굉장히 인기가 있고요. 전지적 독자 시점 같은 뭐 게임 판타지 액션물들, 그리고 최근에 넷플릭스 드라마로도 이제 스트리밍이 시작된 지옥 같은 작품들, 뭐 이런 어떤 뭐 장르에 국한되지 않고 여러 장르들이 굉장히 다양하게 많은 독자들을 만나고 있고요. 특징으로는 한국 정서가 비교적 되게 강하게 반영된 작품들도 스토리가 좋고 작화가 좋고 뭐 연출이 좋으면 좋은 성과를 거두고 있다고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 특히 뭐 한국에서 주목을 많이 받는 그런 소재가 좋고 스토리텔링 연출이 좋은 작품들은 프랑스에서도 인기를 굉장히 빠르게 얻고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 다른 한 가지 특징으로 보면 아직 웹툰이 진출한 기간이 오래되지는 않아서 지금은 10대 그리고 20대 초반 독자층의 비중이 좀 높은 편이고요. 그래서 이 연령대의 독자들을 대상으로 하는 작품들이 다른 연령대들 대상으로 하는 작품들보다는 조금 더 선호도가 높은 편이라고 보고 있습니다. 그리고 프랑스 작가들의 작품들도 저희가 계속적으로 이제 발굴을 해가면서 작품들을 소개해가고 있는데요. 다양한 장르에서 프랑스 작품들도 다양한 장르에서 팬덤을 늘려가고 있는 중입니다. 특히 프랑스 작품 중에서는 좀 인기 있는 작품들은 어떤 작품이 있냐면 이 왼쪽에 있는 라도스라는 작품은 어떤 뭐랄까요? 한국으로 치면 소위 좀 코미디, 병맛, 좀 B급 감성의 코미디물 이런 것들이 한국 작품이 그대로 건너가서 이제 프랑스 독자들에게 코미디 작품들이 그대로 건너가기에는 조금 문화적 장벽이 존재하는 것 같은데 프랑스 작가들이 직접 만드는 코미디물들은 굉장히 빠르게 반응을 얻고 있는 편이고요. 그리고 로맨스나 판타지 장르에서도 프랑스 현지 독자들과 문화적인 공감대를 형성할 수 있는 작품들, 뭐 예를 들면 배경이 뭐 프랑스 어떤 시골 도시라든지 파리라든지 주인공들이 모두 이제 프랑스인이고 프랑스 독자들이 공감할 수 있는 그런 어떤 프랑스만의 학교 생활, 뭐 직장 생활, 연애, 결혼에 대한 그런 어떤 방식들 그런 것들이 굉장히 밀접하게 소개가 되면 이제 그런 작품들이 중심으로 주목을 받고 있는 중입니다. 그리고 앞으로 프랑스와 그리고 유럽 웹툰 산업에 대해서 전망을 좀 하자면 앞으로 뭐 당분간은 저희가 이제 프랑스 웹툰들도 계속 발굴을 하고 있고 일본 만가들도 뭐 계속 뭐 인기가 있다고는 하지만 이 웹툰 자체만 놓고 보면 프랑스에서는 한국의 웹툰들을
중심으로 발전할 가능성이 굉장히 높다고 보고 있고요. 그 이유는 이제 현지 작품들에 비해서 한국 웹툰들이 상당한 강점을 갖고 있기 때문인데요. 한국 웹툰들이 지금 좋은 반응을 뭐 굉장히 다양한 요인들이 있겠지만 그중 몇 가지 요인들을 한번 뽑아서 말씀을 한번 드려보겠습니다. 첫 번째로 드릴 수 있는 말씀이 주간 연재에 최적화된 제작 방식과 스토리 아크라고 볼수 있겠는데요. 한국 웹툰은 주간 연재 시스템을 기본으로 하고 각 회차마다 분량도 굉장히 많아서 단행본 작품에 비해서는 작품이 누적되는 속도가 굉장히 빠르죠. 그래서 굉장히 많은 작품들을 단기간에 같은 한 작품이어도 굉장히 단기간에 많은 회차들이 나오는 제작 방식이어서 이 점에 대해서 어떤 프랑스 독자들의 호응이 굉장히 뜨겁고요. 또 하나는 이야기의 구조가 단행본 같은 경우는 이제 번 단위로 끊어져서 이렇게 재미있게 읽을 수 있게 이야기 구조가 설계되어 있다면 저희 그 한국 웹툰들은 주간 연재 최적 이 작법이 최적화되어 있어서 이야기의 전개 속도가 굉장히 빠르고요. 주 단위로 그리고 회차 단위로 독자들을 락킹시키는 힘이 굉장히 강합니다. 한 회차를 보고 일주일을 기다려서 다음 회차를 읽게 만드는 굉장히 힘이 있다고 생각을 하고 있고요. 그런 면에서 어떤 다른 국가의 웹툰들, 다른 장르의 만화 작품들보다는 웹툰이 굉장한 강점을 가지고 있다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 그 다음으로는 스마트폰에 최적화된 이 스크롤텔링 연출 기법이라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 한국에서는 굉장히 오랫동안 이 스크롤텔링 기법이 연구되고 발전이 되어 와서 이 작은 화면에서 어떤 그 감정을 표현한다든지 뭐 긴장감, 웅장함, 그리고 어떤 빠르고 느린 시간의 흐름, 뭐 다양한 어떤 표현 기법들이 굉장히 고도로 발달되어 있어요. 그래서 이 부분은 어떤 다른 출판 만화 혹은 다른 국가의 작가들이 굉장히 빠르게 어떤 습득하기는 어려운 한국 웹툰만의 어떤 독보적인 그 기법, 앞서 나간 기법이라고 생각을 하고 있고요. 그리고 끝으로는 풀컬러 작업 방식인데요. 한국은 워낙에 오랫동안 많은 분들이 웹툰을 읽고 웹툰 역사가 워낙 깊다 보니까 한국 독자들 혹은 작가님들이 보기에는 너무 당연한 것일 수도 있는데요. 컬러로 작업한다는 것이. 유럽의 독자들, 특히 이제 일본 만가 독자들은 흑백 출판 만화에 굉장히 익숙하기 때문에 이 풀컬러 작업 방식에 대한 반응이 굉장히 좋습니다. 특히 이 한국 웹툰들의 컬러링 방식들은 색 배합이 어떤 디지털에 굉장히 최적화되어 있고 인물이나 배경, 뭐 코스튬, 오브제들의 어떻게 채색을 해야 더 효과적으로 이야기를 전달할 수 있을지 많은 연구와 이를 통한 어떤 기법 개발들이 이 컬러링에서도 꾸준히 이루어졌기 때문에 이 부분도 굉장히 어떤 차별화된 강점을 갖고 있다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이런 배경으로 이 외에도 사실은 한국 웹툰들은 뭐 그룹으로 웹툰 작업을 한다거나 효과음을 삽입하는 연출 방식이라거나 그리고 뭐 댓글 등을 통해서 독자들과 꾸준히 소통하면서 작품을 진화시키는 그런 어떤 독특한 제작 방식들을 갖고 있기 때문에 이런 배경들을 고려를 해보면 한국의 웹툰들은 사실 웹툰 자체로만 놓고 보면 굉장히 앞서가 있는 상태고요. 그런 덕분에 이런 어떤 언어와 문화의 장벽을 넘어서 유럽 전체에서 지속적으로 한국의 웹툰들은 성장해 나갈 것으로 전망을 하고 있습니다. 네. 그리고 저희는 또한 프랑스 작가들의 웹툰들도 성장 가능성이 굉장히 크다고 생각을 하고 있는데요. 아직은 프랑스 작가들, 뭐, 유럽 작가분들은 출판 만화의 작법이 더 익숙해 있기 때문에 뭐 연출이나 아까 말씀드렸던 스크롤텔링 혹은 뭐 컬러링 등 기술적인 부분에서는 굉장히 개선의 여지가 있긴 합니다만 프랑스의 만화 산업 자체가 워낙에 크고 두껍고 굉장히 그 개성 있고 독창적인 작품들이 많은 그런 시장이거든요. 그래서 시간이 지나면 프랑스만의 어떤 굉장히 독특한 프랑스 웹툰들이 등장하지 않을까 하고 기대를 하고 있는 상태입니다. 그리고 네이버 웹툰은 또 이걸 위해서 캔버스와 공모전을 통해서 프랑스의 재능 있는 작가들을 꾸준히 발굴해 나가고 지원할 계획인데요. 캔버스는 한국 네이버 웹툰에 있는 이제 도전 만화의 해외 버전이라고 할수 있는 오픈형 플랫폼인데요. 이 플랫폼에 누구나 작품을 등록해서 독자와 소통할 수 있고
이 플랫폼에서 저희가 뭐 공모전도 거의 매년 개최를 하고 있고, 그 이외에 다양한 작가 지원 프로그램들을 운영할 계획이라서, 이런 방식으로 꾸준히 프랑스 작가들의 작품 활동을 지원하면서, 프랑스에 있는 독창적인 작품들을 발굴해 나갈 계획입니다. 뭐, 사실은 지금도 많은 프랑스 작가들이 캔버스에 작품을 올려주고 있고요. 그러면서 독자들하고 계속 소통해 가고 있고, 일부 작품들은 저희 네이버 웹툰과 정식 연재 계약을 맺고 연재를 진행 중인 상태이기도 합니다. 끝으로 마지막을 좀 드리려고 하는데요. 지금까지는 조금 브로드한 관점에서 전반적인 유로 웹툰 시장 현황과 전망에 대해서 말씀을 드렸는데, 프랑스와 웹툰에서의 웹툰, 지금까지 지나온 길보다 앞으로 걸어갈 길이 훨씬 더 크고 넓을 것이라고 생각하고 있고요. 저희는 뭐 이제 시작이라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 마지막으로 네이버 웹툰은, 그래서 이 유로 웹툰 생태계가 앞으로 더 역동적이고 활발하게 발전해 나갈 수 있도록 최선을 다해서 한 걸음씩 나아갈 계획이고요. 한국 웹툰이 아시아를 넘어서 이 유럽에서도 꾸준히 사랑받고 성장할 수 있도록 많은 관심과 응원 부탁드리겠습니다. 네, 제가 준비한 발표는 여기까지고요. 저는 네이버 웹툰 프랑스 사업 리더를 맡고 있는 김솔이었고요. 발표 들어주셔서 감사합니다. 다르지만 변하지 않는 것. 콘텐츠. 그 힘을 이야기합니다. 대한민국을 이끄는 미래 콘텐츠를 찾아서 Let's talk. 유럽 콘텐츠 산업 전망 세미나. La conférence Let's Talk, organisée par le COCA en France. Je suis Sébastien Célimon, expert en bande dessinée numérique et gestionnaire de la société White Dragon. J'ai autour de moi trois personnalités qui développent le webtoon en France: Youngre Kim, Thierry Rodriguez, Stéphane Ferrand, qui vont se présenter plus précisément. Et je suis le modérateur de cette conférence. Stéphane, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, ravi d'être là et de participer à cette discussion qui s'avère inévitablement passionnante sur un sujet qui nous concerne tous et qui est en pleine expansion. Pour ma part, donc, je suis Stéphane Ferrand. Je travaille pour les éditions Dupuis, groupe Média Participation, et je suis en charge du développement stratégique et éditorial de Webtoon Factory. Qui est une société qui crée des webtoons avec des auteurs français principalement. Thierry. Donc, bonjour à tous, je suis donc Thierry Rodriguez, je suis en charge du digital pour le groupe Delcourt, qui est un des éditeurs de bandes dessinées, comics et mangas en France. Je suis le responsable de la plateforme Veritoon, qui est une plateforme de webtoon française qui a été lancée en janvier du début d'année et qui aujourd'hui propose un peu plus de 60 séries. Voilà, sur le marché français. Youngre. Bonjour, je suis Lekim, donc je dirige actuellement Picoma Europe, qui est une filiale tout simplement de Cacao Picoma, qui est une filiale du groupe Cacao, et on prépare actuellement le lancement de notre plateforme donc, qui s'appelle Picoma d'ici la fin de l'année. Cette conférence va parler de l'émergence du Webtoon en France. Néanmoins, avant d'aller directement sur ce sujet-là, je vais vous donner quelques chiffres. Le marché de la bande dessinée en France. La France est un pays de grande tradition de bande dessinée depuis à peu près 90 ans. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est particulièrement dynamique sur le marché de l'édition. Les derniers chiffres pour 2021, par exemple, indiquent que le chiffre d'affaires de cette activité, de ce secteur, va représenter plus de 500 millions d'euros, avec un taux de croissance de près de 30%.
Dans cet ensemble, le manga japonais, lui, prend une part de plus en plus significative, en particulier donc depuis 2 ans, et notamment depuis le début du confinement, où le manga a des taux de croissance à 3 chiffres, puisqu'on parle pour l'année 2021 de 126% de croissance, ce qui est absolument colossal, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les plus de 200 millions d'euros. Alors, pour commencer, justement, messieurs, il y a une vraie interrogation sur une comparaison entre le marché du manga en France et le marché émergent du webtoon. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur les clés du succès du manga en France, spécifiquement le manga? Stéphane. Les clés du succès du manga en France, elles vont être diverses et variées. Elles tiennent tout autant au nombre d'éditeurs qui est présent, tout autant au nombre de séries de qualité qui sont proposées. Il y a un effet de masse qui crée évidemment un effet d'entraînement. On peut dire aussi, et ça je pense qu'on l'a tous remarqué depuis en fait une temporalité d'environ 3 ans, qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée aujourd'hui au moment où elle a les capacités, la volonté et les moyens de consommer. On a connu exactement le même type de démultiplication des ventes et du lectorat au début des années 2000, quand on est arrivé à la deuxième grande vague de manga et qu'on est passé, on a à peu près multiplié par 3 ou 4 le nombre de sorties annuelles de titres de manga. Donc on voit bien de toute manière que, comme le manga nous l'a montré précédemment, on est à chaque fois sur un effet de génération. Plus les nouvelles générations arrivent, plus elles vont chercher les contenus culturels qui l'intéressent sur les supports qui l'intéressent. Qui l'intéressent tout autant en termes d'aspect pratique, parce que le support manga est pratique, il est petit, il est poche. Ça a été une de ses grandes différences par rapport à la bande dessinée. Cette praticité, on la retrouve effectivement plus tard dans le webtoon. Adapté aussi parce que le prix est beaucoup plus bas du manga par rapport à la bande dessinée. C'est là où on voit l'attrait principal de la gratuité autour du webtoon qui suit effectivement cette logique. Développement aussi qui s'explique par la grande accessibilité, l'effet de masse qui faisait que le manga s'est amené en France avec une production régulière, 2 volumes de 200 pages, dont une série pouvait proposer 6 volumes à l'année, ce qui était incomparable avec les 48 pages annuelles que proposait la bande dessinée. Et là aussi, sur le webtoon, on va trouver le même écho de ce type de raison. Donc tout suit un schéma générationnel. Alors, précisons d'emblée que le marché du manga en France est un marché qui existe en réalité depuis près de 30 ans. Il a commencé tout doucement et sa grande spécificité, c'est qu'il a été devancé, si je puis dire, il a été annoncé, puisque le public français, la génération des enfants des années 80, ont d'abord découvert les univers tirés du manga dans leurs adaptations animées. Et ça a été aussi probablement un effet d'accélérateur, en tout cas d'imprégnation très très forte dans les années 80, qui a ensuite permis, dans une certaine mesure, avec l'audace des éditeurs à l'époque qui se sont lancés dans le manga, de développer ce marché, qui a connu donc du coup 3 vagues. Une première vague au début des années 90, une vague au début des années 2000, et là, depuis quelques années, un renouveau à la fois dans les contenus, parce qu'il y a des nouvelles séries qui sont arrivées et qui ont relancé le marché, et ensuite, effectivement, un effet générationnel. Thierry Jungret, est-ce que vous avez un avis ou une analyse particulière à partager sur ce sujet? Alors, moi, c'est moins ma spécialité, hein, le manga que le webtoon, mais je rajouterai un élément, c'est que peut-être effectivement avec l'aspect générationnel et l'arrivée, l'émergence du numérique, on voit que le manga numérique aussi participe maintenant de manière assez importante aussi à la résurgence du manga papier. C'est-à-dire qu'on voit aussi se combiner 2 effets. Effectivement, l'arrivée de nouvelles séries manga effectivement pour la jeune génération, mais effectivement l'utilisation du numérique qui participe aussi à ce développement-là. Et je crois qu'effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles le marché français reste le 2e ou le 3e marché du manga au monde. C'est à mon avis un élément qui peut aussi accompagner effectivement le succès du manga dans sa 3e, enfin, dans sa 3e version, 3e génération. Si je peux ajouter, je pense que tout simplement au niveau du marché français, au niveau des mangas en tout cas, ça correspond à peu près au développement du marché japonais également, puisque le premier âge d'or commençait dans les années 90,
Bon, il y a eu un écart en France dans la mesure où c'était plutôt le début des années 2000 pour le coup en France. Mais quand on regarde ce qui se passe actuellement, je pense que par rapport à cela, l'avènement du digital et la rapidité en fait des interactions entre les pays a raccourci en fait le terme dans la mesure où actuellement au Japon, il y a également le second âge d'or du manga qui a commencé et le laps de temps qu'il a fallu pour que cela en fait viennent en France, c'est largement raccourci, notamment via le numérique. Alors, le modèle justement du manga, la manière dont il s'est développé en France, d'après vous, est-ce que vous qui vous intéressez, qui êtes en charge du développement du webtoon pour la France, voire pour l'Europe, est-ce que ce sont des modèles à suivre ou en tout cas des exemples dont vous pouvez vous inspirer et à quel degré ? Stéphane, peut-être ? Je dirais qu'il y a, une différenciation qui se fait entre le manga et la BD, et c'est cette même différenciation qu'on est en train de retrouver sur le webtoon et qui, quelque part, aujourd'hui, fait peut-être la faiblesse du webtoon. Quand le manga, en définitive, s'impose, ce qui s'impose, c'est la pop culture. Et la pop culture, en termes de produits, en termes de marché, c'est un croisement entre une matrice qui est une histoire en bande dessinée, si j'ose dire, un manga, mais dont on trouve des excroissances en animation, en jeux vidéo, dans le merchandising, c'est la fringue, c'est les jouets, etc. Et c'est ce qui amène le manga à avoir, à l'époque, une force véritablement, une puissance de pénétration absolument difficile à mesurer sur tous les marchés extérieurs au Japon. Aujourd'hui, sur le webtoon, je pense qu'on a exactement la même possibilité d'une structure. Néanmoins, le webtoon se pose d'une manière, je dirais pour l'instant, uniforme, uniquement à travers effectivement un schéma qui est ce schéma de lecture en ligne, qui en lui-même est la base, hein, c'est la matrice. Mais pour l'instant, on n'a pas encore passé cette étape qui est l'étape d'un produit qui devient en fait un élément de pop culture. C'est notamment chez Webtoon Factory, puisque nous produisons des webtoons avec des auteurs français, ce qu'on est en train de développer. On a déjà vendu des droits de nos webtoons pour des adaptations en audiovisuel. On a de cette manière cette volonté de pénétrer les marchés périphériques à la matrice initiale. Oui, moi j'ai une vision un peu différente. Enfin, en tout cas, je pense que le webtoon fait partie d'un ensemble qui est la Vagalu. C'est qu'effectivement, comme les comics américains ou les mangas japonais, j'ai l'impression qu'effectivement il y a cette arrivée de la culture coréenne, voilà, au travers de la K-pop, au travers des dramas et au travers donc du webtoon. Tout ça interagit puisqu'on retrouve effectivement des éléments de groupes de K-pop dans des webtoons qui sont à l'origine de dramas et inversement, avec de l'animé également. Donc je pense que ça, il y a cette vague qui participe à la promotion en tout cas de la Corée du Sud. Et par rapport au webtoon, je pense qu'il y a vraiment un aspect important, c'est que avec le webtoon, en tout cas de par mon expérience, on a vraiment ce qu'on appelle un format digital natif, et donc je pense que on ne peut plus le réduire à un format technologique. Il y a vraiment, à mon avis, l'aspect contenu par épisode, donc le renouveau du feuilletonnage, à adapter à un format qui se lit sur smartphone. Et aujourd'hui, la lecture se fait effectivement essentiellement sur ce smartphone, en mobilité, en grande partie par la jeune génération, mais pas que. Et c'est tous ces éléments-là qui font que le succès du webtoon, à mon avis, peut être très important. Et je rajouterai un élément, c'est qu'au niveau du business, l'achat du webtoon par micro-paiement est, à mon avis, un facteur important par rapport à la jeune génération et à son pouvoir d'achat. Je pense que c'est un élément aussi qui peut jouer sur le marché français, en tout cas. Je pense qu'en tout cas, au niveau du webtoon et du manga, puisque c'était la question, c'est deux contenus qui font partie de la famille de la bande dessinée en général. Cependant, nous, on pense, en tout cas moi, je pense que ces deux contenus, même s'ils se ressemblent, en fait, c'est deux contenus qui ont une typologie différente et des buts différents, ainsi qu'une cible différente. Donc, par rapport à ça, en tout cas à notre époque, le webtoon est beaucoup plus accessible, entre guillemets, que le manga, surtout pour un public français, dans la mesure où, par exemple, pour les mangas, il y a le sens de lecture qui est différent, la lecture d'une planche est différente, alors que pour le webtoon,
C'est un défilement de haut en bas et de gauche à droite, ce qui facilite en fait l'entrée en la matière. Et je pense que c'est ça également qui fait la force du webtoon, en plus du fait que les histoires qui sont racontées, en tout cas dans les webtoons, diffèrent de ce qui est raconté dans les mangas, ce qui rajoute un élément supplémentaire en fait qui fait la force du webtoon. Alors, si je comprends bien, il y a à la fois un schéma que vous exposez qui est de dire il y a un contenu, et ensuite la manière dont ce contenu va circuler entre les différents médias, tous les différents supports des industries culturelles, ce contenu-là, en fait, aujourd'hui, peut-être, parce que c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, le webtoon n'est même pas finalement à considérer comme étant quelque chose qui s'intégrerait dans le marché de la bande dessinée, mais qui serait un type de contenu spécifique et qui aurait de fait son marché spécifique. Est-ce que je dis une bêtise? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi personnellement, sur ce sujet-là, je pense qu'en fait, le webtoon en fait permet d'aller au-delà des gens qui sont déjà accros ou fans de la BD ou des mangas tout simplement, pour aller chercher les gens, enfin les jeunes généralement, justement, qui sont sur les smartphones et qui consomment d'autres types de contenus. Il est beaucoup plus facile d'approcher les jeunes là où ils sont que d'essayer d'aller les chercher par les médiums traditionnels où ils n'essaieraient pas. Alors, il est vrai que je m'appuie sur vos témoignages. On ne peut pas dire aujourd'hui objectivement que le webtoon est particulièrement présent dans les médias en France. Il y a quelques relais ponctuellement, mais c'est plus un épiphénomène qui va attirer la presse. Mais dans le même temps, moi, il me remonte des chiffres de lectorat des différentes plateformes qui sont sur le marché, alors pas encore Picoma, ça va venir, mais en tout cas Naver pour prendre cet exemple-là, qui sont spectaculaires. En tout cas, si c'est... Alors j'ai malheureusement pas la possibilité de les vérifier, parce qu'il y a toujours un petit peu une ambiguïté sur les chiffres quand on parle d'Internet. Mais néanmoins, il est clair que le webtoon avance à bas bruit. Et là, est-ce que vous, dans justement, toi, à travers tes expériences et aujourd'hui à travers Veritoon et Webtoon Factory qui a son propre lectorat, comment vous mesurez, comment vous définissez cette audience? Oui, alors moi j'ai un élément supplémentaire, c'est que le projet Delcourt propose, on va dire, une offre bimédia Webtoon et la collection Keybooks en papier. Et si on fait une analogie par rapport aux ventes de BD ou de manga, en tout cas, le succès d'un titre comme Solo Leveling sur la collection Keybooks est très important puisqu'il a été numéro un des ventes effectivement à sa sortie, voilà, avec une audience aussi forte que les plus forts titres de BD ou en tout cas de manga. Donc on peut faire une analogie là-dessus. Et c'est pour ça que moi, je mettrais le webtoon effectivement dans l'univers de la bande dessinée, en tout cas par rapport à notre approche. Ensuite, sur les chiffres effectivement purement numériques, que ce soit sur le projet Never effectivement qui est gratuit ou sur des offres, on va dire freemium, en tout cas payantes comme Veritoon, les premiers éléments en tout cas d'audience sont plutôt encourageants, ils sont plutôt assez forts, notamment vis-à-vis d'une tranche d'âge, je dirais, à la fois pré-ado-ado et également sur les 18-25, et notamment sur les lectrices, en tout cas sur une audience féminine. Donc je pense que là, il y a quand même un effet de masse qui est quand même assez sensible, même si je te rejoins, on n'a pas forcément les chiffres, on va dire, officiels de chacune des plateformes liées effectivement au démarrage de ce business. Mais je pense que quand même, c'est des éléments qui montrent que pour moi, le phénomène du webtoon est en train effectivement de s'ancrer effectivement en tout cas dans l'espace culturel français. Voilà. Donc je pense que c'est un élément important. Pardon. Je rejoins mes collègues effectivement sur ce point. Je dirais que les chiffres sont à corriger, à revoir, parce que on peut pas encore les analyser de la même manière qu'on analyserait ceux de la BD ou du manga. On a beaucoup de fréquentations sur un certain nombre de sites, dont celui de Naver par exemple, de Webtoon. Mais c'est dû aussi, et on le sait très bien, au fait qu'il y a énormément de contenu qui est proposé gratuitement. On le voit très bien quand on travaille notre propre plateforme, on voit une profonde différence entre le schéma de fréquentation des épisodes qui sont proposés en lecture gratuite et la baisse qui est évidente, mathématique, lorsque on passe en épisode payant. Donc la barrière, là aussi, a besoin, je pense, d'être franchie
même si on est sur un contenu qui s'adresse à une génération spécifique et qui là aussi, comme ça a été le cas pour le manga, offre une expérience de lecture et du coup de création différente. Je pense que on ne fera pas marche arrière sur cette question du webtoon par rapport à cette génération, puisque ça suit une évolution qui existe depuis l'apparition du roman en définitive, et qui est l'accélération du temps de lecture. Plus finalement on a avancé dans le XXe siècle et le début du XXIe siècle, plus on se rend compte que les contenus doivent être consommés de manière de plus en plus rapide. Le webtoon, c'est un peu l'acmé, je dirais, de cette réalité que le manga avait déjà, par sa narration fluidifiée d'ailleurs, amenée. Et la narration verticale que tu évoquais tout à l'heure est archétypale de la capacité à lire rapidement. On lit plus rapidement un épisode de webtoon qu'on ne lit un chapitre de manga. Donc voilà, je pense qu'on est encore une fois, je pense, à un schéma naissant, que ce soit concernant les chiffres, que ce soit concernant la compréhension du public, que ce soit concernant le fait d'arriver à amener ce public à payer pour les contenus. Un public jeune, par ailleurs, qui, pour qui, je dirais, de manière empirique, tout ce qui est digitalisé ou en lien avec Internet ou genre, doit, entre guillemets, être gratuit. Ça a été le cauchemar qu'on a vécu dans le manga avec le Scantrad. Ça fait quand même 30 ans qu'on se bat contre une réalité qui préexiste. Mais qu'est-ce qu'elle témoigne? De quoi elle parle, cette réalité? Elle parle d'une génération qui veut consommer des contenus gratuits. La question qui se posera peut-être, peut-être pas, mais peut-être, c'est: est-ce que pour continuer à capter cette masse de public et avoir ces chiffres très importants, la base, la matrice, devra finir par être en lecture gratuite et finalement trouver ses équilibres économiques dans le développement de la licence sur d'autres supports. Ce qui est un petit peu le pari de Navers en tout cas une partie du pari de Navers. Oui, mais si la question était sur le potentiel du webtoon par rapport au marché français et vis-à-vis notamment des partenaires et des acteurs coréens, aujourd'hui, ma réponse est oui, il y a un potentiel, il y a un développement qui s'opère. En plus, l'arrivée de Picoma, je dirais qu'il y a un géant aussi côté manga, prouve qu'il y a effectivement une opportunité effectivement de business, mais surtout un potentiel. Et est-ce qu'il sera du même ordre que le manga en France? C'est une vraie question. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'effectivement, au vu en tout cas des audiences que nous, on regarde, au vu effectivement des chiffres, même s'ils sont effectivement à corriger, je pense que le potentiel est important. Et donc, j'invite effectivement nos partenaires coréens effectivement continuer sur le marché français. Je te donnerai la parole après, si tu veux bien. Juste pour avancer, je vois l'heure qui file. Donc, très concrètement, d'après vous, quels seraient aujourd'hui les leviers principaux, prioritaires, pour que le marché du webtoon, justement, attaque une croissance encore plus forte, même si, encore une fois, alors, les chiffres, c'est difficile, mais on sait qu'elle est déjà là en réalité, c'est-à-dire que ça imprègne déjà partout en France. Il y a un élément nouveau, c'est qu'il y a les éditions Dupuis, les éditions Delcourt qui sont sur le marché du webtoon. Donc sur le marché propre de la bande dessinée, il y a déjà deux éditeurs qui sont présents. Donc moi, je pense que c'est important aussi parce qu'il y avait jusqu'à présent, il y avait beaucoup de plateformes, en tout cas d'intervenants, je dirais, numériques ou en tout cas perçu comme tel. Donc je pense que ça, c'est un élément important, en tout cas sur le marché français, qu'il y ait effectivement deux acteurs connus de la bande dessinée qui sont présents sur ce secteur, et peut-être effectivement d'autres à l'avenir. Donc je pense que ça, c'est un élément, moi je dirais, assez différenciant et qui peut donner effectivement, qui montre un début de maturité en tout cas sur le développement du webtoon. Alors, Delcourt, vous avez justement, le groupe eu un immense succès avec Solo Leveling, et puis je pense que les autres séries sont dans le sillage. Ça, c'est un formidable indicateur pour justement montrer qu'une série qui donne l'impression de sortir de nulle part si on ne s'intéresse pas au webtoon peut tout à coup rencontrer très fortement un public. C'est aussi un signal que ces synergies-là, ces circulations-là peuvent exister. Oui, je pense qu'on a besoin de titres à forte notoriété. Donc Solo Leveling est un des titres effectivement porteurs. Donc je pense que ça participe au développement effectivement de ce marché. Alors c'est d'autant plus vrai qu'effectivement on a une version papier qui coexiste et qui, à mon avis, participe aussi à cet élan. Et ensuite, effectivement, le fait de traduire
et d'avoir cette qualité aussi au niveau du webtoon, notamment porté par les différents acteurs et notamment par les éditeurs, hein, qui, dont c'est le métier, je pense que ça participe et ça vient aussi un peu contrecarrer, je dirais, le scantra, donc le piratage, et de montrer effectivement que les éditeurs peuvent être réactifs. Nous, on produit les webtoons, je dirais, à H+24 par rapport à Séoul. Je pense qu'aussi cette rapidité dont on parlait montre aussi que les éditeurs sont aussi en capacité aussi à s'adapter à ce marché qui est, je le répète, qui est très rapide. Et donc je pense que tout ça, ce sont des éléments qui montrent que voilà, on a pris conscience en tout cas des enjeux. Donc je pense que là, Du coup, pour Picoma, son enjeu et ses leviers spécifiquement pour la France. Oui, il y a plusieurs leviers, mais dans tous les cas, Picoma est actuellement, en tout cas au Japon, la première application de lecture de manga, également dans le monde en termes de chiffre d'affaires. En fait, ce que l'on souhaite faire en France, c'est reproduire le modèle dont on a connu le succès, en tout cas au Japon, qui est un mix, en fait. Le Japon, c'est le pays du manga. Picoma possède également dans son catalogue des webtoons. Et on a réussi en fait à marier les deux types de contenus, tout simplement, au niveau du lectorat également de la plateforme, afin qu'il y ait une synergie qui se crée entre ces deux typologies de contenus qui sont proches. Je pense que l'analogie qu'on pourrait faire, c'est par rapport à YouTube et Netflix, c'est deux contenus vidéo. Cependant, il y en a une qui est plus courte et dont la consommation est plus courte également, qui se rapproche beaucoup de la snap culture. Et les séries Netflix qui sont beaucoup plus longues, ainsi que les films, et les deux coexistent. La conviction que l'on a par rapport à ça, c'est que les mangas et les webtoons peuvent coexister et qu'il y a une synergie à trouver entre les deux pour un effet de levier, tout simplement. Alors, synergie, merci beaucoup de me faire la transition parce que c'était le dernier axe de cette discussion. Sur aujourd'hui, on est invité par la COCA quelles sont pour vous les synergies qu'on peut envisager, alors dans toutes les dimensions, entre des créateurs français que tu vas représenter, entre des éditeurs français qui vont faire aussi des versions papier, entre toi qui arrives avec une plateforme, justement avec une vision internationale. Quelle synergie on peut envisager, on peut renforcer avec justement les producteurs en Corée, les acteurs du webtoon en Corée, et peut-être de manière plus large, finalement la vague Hallyu, tous les producteurs de contenu coréen, parce qu'on comprend bien qu'il y a encore une fois cette circulation entre les acteurs des industries culturelles. Synergie. Je commence, pardon. Allez. Les synergies, elles peuvent être aussi nombreuses que le marché peut être tentaculaire. C'est ça qui est complexe. Que ce soit dans la collaboration qu'on peut avoir avec nos partenaires coréens sur le développement créatif, ou que ce soit sur la possibilité, je le redis encore une fois, de créer cette structure multiproduit. Alors que justement la Corée a gagné tous les lauriers qu'elle avait à gagner, que ce soit avec Parasite sur le cinéma, avec Squid Game sur les séries TV, que ce soit avec Solo Leveling par exemple sur le webtoon, avec la K-pop, Blackpink, BTS, j'en passe, et des meilleurs, tous les signaux sont au vert. Reste à trouver la licence qui va faire la transversalité sur tous ces supports. Et nous, ce qu'on essaye de construire dans notre discours, c'est la possibilité d'avoir, par exemple, une synergie de développement de ces types de contenus. C'est vrai que Webtoon Factory, c'est Dupuis, c'est Média Participation. Nous, on a l'habitude de produire effectivement du webtoon, on produit de la bande dessinée, on produit aussi du dessin animé, on a une plateforme de distribution pour distribuer nos propres dessins animés. On a Microïds pour faire du jeu vidéo, on a une structure pour faire du merchandising. Donc à partir de là, ce qu'on fait sur du Naruto, hein, par exemple, typiquement, édité par Kana, structure de Média Participation, ADN fait l'animé, enfin voilà, j'en passe, c'est les meilleurs, on a le jeu vidéo, etc. C'est ce qu'on voudrait arriver à développer, effectivement, avec nos partenaires coréens. Sur cette partie industrielle, sur la partie créative, pour aller rapidement, je pense qu'il y a une synergie qu'on a déjà proposée et qu'on aimerait envisager avec les créateurs coréens, qui est, par exemple, d'envisager de la co-création. Finalement, nous, sur Webtoon Factory, on a à peu près une centaine de séries, ce qui représente environ 170 auteurs français.
voilà, qui créent avec leurs spécificités. On a des auteurs coréens qui créent, pourquoi pas imaginer des dessinateurs coréens venant raconter avec un scénariste français une histoire qui se passerait à Paris, à Séoul. Voilà, ce genre de travail de création posé sur deux marchés en même temps. Voilà deux exemples de synergie industrielle et créative que l'on veut essayer de développer dans le futur avec les partenaires coréens. Bon, moi je vais plutôt parler de ce qu'on fait actuellement. Donc il y a effectivement des synergies avec évidemment les éditeurs, les studios de création coréens. Donc je pense que ça il faut le développer, l'encourager. Alors il y a effectivement nous une particularité avec eBooks, avec la version papier. Là, il y a des échanges qui se font entre la Corée et la France sur le fait que la Corée porte son format numérique et nous apportons un remaquetage, ou en tout cas le savoir-faire en tout cas d'un éditeur français qui est repris d'ailleurs à l'étranger. Donc ça, il y a vraiment un échange, ça je trouve ça très intéressant entre le numérique et le papier. Et pour une fois, effectivement, la source est numérique, donc c'est intéressant. Je pense qu'il y a également des choses à développer par rapport à... Nous, on a l'Académie Brassard Delcourt, donc par rapport à l'enseignement et la formation sur la création du webtoon, sa scénarisation, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses, effectivement, il y a une coordination qui peut être possible, une coopération possible, voilà, pour les étudiants, en tout cas, français comme coréens, et un échange possible. Et puis, effectivement, après, sur la création en elle-même, tout naturellement, effectivement, on se dit que voilà, des auteurs français... vont se lancer dans de la création webtoon et que peut-être effectivement en Corée il y aura davantage d'adaptations papier de séries webtoon. Il y a également des synergies entre effectivement les groupes de K-pop et les webtoons. On voit effectivement nous des choses entre les animés et les webtoons. Donc effectivement il y a des passerelles. Alors c'est moins dans le métier du groupe, mais on sent qu'effectivement là il y a effectivement des coopérations possibles. Donc je pense qu'il y a énormément de synergies et qu'on est qu'au début de ça, mais encore une fois c'est porté, moi ce qui m'intéresse c'est que c'est vraiment porté par le numérique, donc c'est accompagné aussi par les acteurs du numérique, et ça c'est ça qui est intéressant, c'est à l'inverse de ce qu'on a connu effectivement c'est le numérique là qui pousse. Alors, d'une manière générale, je pense qu'au niveau des synergies il y a beaucoup de choses à faire, puisque tout reste à faire en fait. Dans tous les cas, pour que des contenus puissent s'installer durablement dans un pays, en l'occurrence la France, il faut tout simplement avoir une emprise entre guillemets locale. Donc il faut travailler avec les entreprises locales, que ce soit les éditeurs, les plateformes, les créateurs, afin d'avoir une respiration sur une durée longue, sur une période longue, et pouvoir développer et interagir en fait avec le public français tout simplement. Super. Messieurs, nous sommes à l'issue de cette conférence. C'est allé très vite. Est-ce que vous voulez prendre un dernier mot rapide pour remercier nos hôtes et puis voilà, pour prendre date peut-être en direction des spectateurs pour qu'on se rencontre, pour qu'on échange, pour qu'on crée des synergies. Stéphane ? Ben oui, enfin, je remercie tout le monde pour son attention et l'intérêt qu'elle porte à tous nos efforts pour essayer de développer le webtoon coréen en France et le webtoon d'une manière plus générale. Ça, il n'y a pas de souci. On est ouvert, toi comme moi, comme nous tous, à toute forme de collaboration, de discussion qui puisse nous permettre d'avancer sur ce marché. Je rajouterais juste que, voilà, on est aujourd'hui sur deux éléments. Ces éléments, c'est l'investissement et la patience. Aujourd'hui, on sait ce qu'est le manga, tu l'as mentionné plusieurs fois. N'oublions pas que les débuts du manga, ça a été très long. Ça a mis beaucoup d'années. On est passé d'abord par la prépublication en presse. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas été glorieuses. Hein. Le manga n'a pas émergé soudainement comme un Mont Fuji de l'édition tout seul. Et je pense que sur le webtoon, pareil, on est un peu au début. On a quand même cette dynamique. Voilà, verticale, qui nous porte aujourd'hui à considérer qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, demain, après-demain, dans le moyen, le long terme. Ça va dépendre effectivement de notre capacité à travailler ensemble. Ça va dépendre des investissements qu'on sera tous consentis, qu'on consentira tous sur ce marché. Et puis, à avoir une stratégie qui se pense sur une dimension longue, c'est-à-dire à 3 ans, à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, pour une première étape.
Oui, ben moi je veux remercier d'abord les équipes de Coca hein, donc, et de l'initiative effectivement qui a été prise, en tout cas dans les partenariats entre effectivement, la Corée du Sud et la France. Moi j'ai juste un message à adresser en tout cas aux partenaires coréens. Si un auteur, si un éditeur, si un studio a le futur solo leveling, il est le bienvenu sur la plateforme Veritune. Et donc je fais un appel. Ah non, il est voilà. Parti malheureusement. Donc, qu'il n'hésite pas à nous contacter et en tout cas à échanger sur le sujet. Voilà, on sera très heureux de répondre. La main est tendue. Pardon. Merci également à Coca tout simplement d'avoir organisé cet échange. Je pense que c'est nécessaire, il en faut de plus en plus, en tout cas en France. En tout cas, la lame de fond est là. Il faut y aller et c'est le moment. Alors, on prend tous nos boards de surf, puisqu'il y a une lame de fond. Et puis, je conclue en remerciant encore une fois l'organisation au nom des invités et de moi-même. Et ben, nous espérons que nous aurons aussi le loisir, le plaisir de vous rencontrer en vrai, au-delà de l'écran sur lequel vous nous voyez aujourd'hui. À bientôt.